trouve. Bonsoir à tous les amis et bienvenue ce soir sur Big Pom TV pour votre nouvelle émission du Monday Time Football. Ce soir encore une fois, un très beau plateau à vous proposer avec des invités qui ont connu pas mal de choses. Un recruteur, un ancien sélectionneur international, CTD pour l'instant. Président du centre de formation des gardiens de but. Un très beau plateau pour vous. On va les présenter juste après avec Rachid. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier une nouvelle fois à nous suivre autant nombreux chaque émission. Vous étiez très nombreux à suivre notre émission 100% Ligue 1 d'il y a un mois. Où d'ailleurs on a été suivi un peu de partout. J'ai eu des messages venant du Canada où je salue mon ami Bruno Pombo, des messages d'un ancien gardien, qui nous suit de Corse, monsieur Félicie, pour ceux qui le connaissent, qui nous suit aussi, donc je passe le bonjour. Donc avant de démarrer l'émission, on va de suite vous demander de liker, de partager une fois de plus. On vous suivra en direct sur Facebook. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, on est là pour les regarder et pour les poser à nos invités. Donc, nous attendons encore nombreux en direct ce soir pour cette belle émission. Donc, Rachid, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu as bien récupéré de ce week-end de repos sans match? Ouais, ben, c'était un week-end sans match, ça fait toujours plaisir parce qu'on peut se ressourcer, mais bon. Voilà, comme je suis un peu barjot, je suis allé voir l'équipe réserve. J'allais faire mon dimanche. Donc voilà, le repos, voilà, semi-repos, on va dire. Donc avant toute chose, ben, merci à tous d'être venus. Hein. Ça fait plaisir de voir un si beau plateau. Décidément, on a vraiment de la chance. Hein. Mmh. Et donc pour cette quatrième émission, donc on va mettre à l'honneur ben, le poste de gardien de but. Donc on essaie un petit peu de toucher tous les thèmes d'ici la fin de saison. Donc ne vous inquiétez pas, on va penser aux féminines, on va penser aux arbitres, on va penser à tout le monde. Là, c'est plus les gardiens de but et tout ce qui est cellules de recrutement avec des spécialistes par rapport à ça. Donc on a essayé de cibler deux axes différents pour cette émission. Et voilà, donc ça se passe de manière conviviale. Donc on va vous présenter petit à petit les personnes qui sont là, présentes aujourd'hui. Et après, on va parler un petit peu de l'actualité sportive locale. Avec les matchs qui se sont joués le week-end dernier, les matchs de coupe. Et on va revenir sur les prestations de nos derniers invités qui ont apporté bonheur, je crois, à Nîmes Olympique depuis qu'ils sont venus. Ils sont invaincus. Donc on va demander une petite prime pour le côté sorcier. Donc on va commencer aujourd'hui. Donc on va présenter Ludovic Batelli, qui est là. Merci d'être venu, Ludovic. Merci à vous de m'avoir invité. Ludovic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même 222 matchs en pro. Entraîneur depuis 1995, passé par Amiens, 3, les sections nationales en équipe de France et depuis peu en Algérie. Donc merci, Ludo, c'est un plaisir de te voir. Donc on va présenter de ce côté, toujours pareil, Gilles Signoret. Donc Gilles, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et merci à toi d'être venu, donc, chargé du recrutement de l'Olympique Lyonnais depuis 19 ans. 19 ans déjà. Donc, ouais. 19 ans déjà. tu t'occupes aussi du foot universitaire, donc en sélection nationale et pour la fac de Aix. Tout à fait. Voilà, donc merci. Donc là-bas, de l'autre côté, on a Ludovic Rognard, c'est notre CTD voilà, local. Donc ça fait plaisir de. CTD, bientôt CTR, on sait jamais. C'est jamais. Alors, pour te bonheur, nous, donc. On sait jamais, peut-être. Donc ouais, merci d'être venu, parce que tu es en charge de. T'es vraiment. Beaucoup de choses. Voilà, tu es au cœur de notre football régional. Exactement. Donc merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Du foot du district. Ouais, ben, avec plaisir. Quand on parle de foot, je réponds présent. Voilà. Et pour finir, voilà, le gardien de but, il en faut un. Jonathan Domergue, l'ami de longue date. Donc, il merci. Il est gardien de but encore ou il est à la retraite? On ne sait plus. Il ne sait pas encore. Il sait les appuis. Donc, vraiment plaisir de te voir, Jonathan. Avec plaisir, les gars. Merci. Moi, c'est l'occasion de te voir parce que tu ne donnes pas trop de nouvelles. Le mec est trop loin. Donc, voilà, président du centre de gardien de but de Cavaillon qui mange du tonnerre. Donc, pour l'occasion de faire la publicité, parce que c'est vrai que c'est super ce que vous faites depuis des années. Et c'est l'occasion de nous parler un peu plus des spécifiques que vous faites, mettez en place, et aussi des stages que vous mettez en place. Avec plaisir. Voilà. Donc on va faire un point donc sur nos derniers invités. Donc comme l'a dit précédemment Rachid,
avec on est un peu le porte-bonheur de Nîmes qui depuis notre précédente émission a enchaîné 4 victoires de suite avec notamment la victoire de ce week-end 1-0 face à Angers. Et puis pour l'anecdote, Romain qui nous a marqué un top but qui lui a valu une place dans l'équipe type de la semaine sur l'équipe contre Monaco avec un enroulé dont il a le secret en pleine lucarne. Voilà, et le retour d'Anthony qui revient de blessure et qui a fait son retour déjà contre Monaco et qui est rentré contre Angers ce week-end. Donc 4 victoires de suite et qui leur permet de sortir de la zone rouge. Donc c'est très bien. Ouais, c'est plaisir bien. De ça voir. Fait, ça fait plaisir que Nîmes reparte de l'avant. Ensuite, par contre, pour Montpellier, on n'a pas été forcément les porte-bonheur. Malheureusement, ils sont déplacés donc, depuis au Parc des Princes, dans le stade à notre cher patron, M. Delranc, donc, et qui ont essuyé une défaite. Et puis, ils ont perdu ce week-end 1-0 contre Monaco. Donc, il n'y a pas de danger non plus pour Montpellier. Mais non, bon, on n'a pas de danger. En tout cas, voilà les résultats de nos précédents invités. Voilà. Donc pour le week-end dernier, dans le district, les actualités au niveau des seniors, donc ça a été la coupe, donc la coupe endurance. Donc on a pu connaître les deux derniers quarts finalistes. Mm-hmm. Étaient qualifiés déjà Nove, Montfavet, Courthézon, l'US Ponté, Val d'Urance, Cavaillon. Et les deux derniers qualifiés, donc mercredi dernier, s'est joué Barbantane, Mayanne, donc victoire de 1-0 de Barbantane. Mmh. Barbantane qui est qualifié. Et le week-end dernier, Jonquière a gagné Pernes-Saint-Didier au tir au but 4-3 après 1-1 au score de temps réglementaire. Donc Barbantane et Jonquière. Donc on a nos huit qualifiés pour les quarts de finale. Se joue aussi les matchs de la Coupe de la Ligue, de la nouvelle Coupe de la Ligue de cette année qui a été mise en place. Malheureusement, il nous restait deux équipes on dirait locales. Nove qui a été battu 5-2 contre Salon et défaite de l'US Monté à La Valette 4-1. Pour nous, plus de représentants du district pour la Coupe de la Ligue, en espérant qu'on fera mieux l'année prochaine. Voilà. Voilà, on va l'espérer. Ouais. Une dernière info au niveau de notre district, c'est le tirage au sort de la Coupe Ulysse Favre où les derniers matchs se sont déroulés ce mercredi et ce week-end. Donc les matchs se joueront le 8 mars avec notamment un choc de D1 entre Gadagne et Boulbon et un autre choc de D1 qui sera, il me semble, entre Courthézon et Le Ponté. Voilà les tirages au sort de cette Coupe Ulysse Favre pour nos représentants du district. Ensuite, maintenant, on va passer au temps de parole un peu de nos invités pour les connaître un peu plus en profondeur pour chacun d'entre eux. Donc, on commence par qui, Rachid ? On va regarder le même ordre, donc on commence par Ludo, Ludovic Batelli, qui nous fait vraiment c'est le plaisir. C'est-à-dire que tu sois là. Bon, malheureusement, tu es là parce qu'en ce moment, tu... Je suis dispo. Voilà, tu es disponible. Voilà. Pourtant, personnellement, je préférais que tu ne sois pas là. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Tu rentres en contact. Non, et comme je l'ai dit, merci à vous. Effectivement, je suis dispo depuis la fin octobre et la fin de l'aventure avec les équipes nationales d'Algérie, puisque j'avais été nommé en février directeur des sélections nationales en charge de l'équipe olympique et malheureusement suite à l'élimination avec les Olympiques au dernier tour pour qualificatif pour la CAN, le président a revu son projet en cours de route et a décidé de se séparer de moi et de Fred Fort, puisque j'emmène toujours Fred depuis 3 ans, enfin 3 ans Fred est avec moi, il a déjà fait les Émirats avec moi, il est avec moi, Fred qui habite Avignon. Ouais. Et voilà, on a été débarqués tous les deux. J'étais venu pour un projet mais en fait... Suite à un mauvais résultat, ça se termine, c'est comme ça, parfois ça arrive, et, comme on dit, le président a changé de projet en cours de route. Et donc voilà, je suis libre et disponible et ouvert à toute sollicitation éventuelle. On souhaite que tu ne vas pas rester longtemps. Ouais, c'est un plaisir d'être là parce qu'on ne rencontre que des collègues. Bon, en plus, on va parler des gardiens de but, donc ça me va bien. Ouais. Et voilà, on revoit des collègues qu'on a le plaisir de voir sur le terrain, dans le cadre du recrutement, dans le cadre des matchs. Et c'est un immense plaisir d'être là. Oui, mais c'est à défaut quand même, parce que au début c'était pas une volonté d'être gardien de but. Non, mais j'ai fait un choix très tardif, puisque jusqu'à 20 ans, comme je continuais mes études, je jouais dans le champ et je jouais dans les buts. Preuve en est, c'est que j'ai fait des sélections d'équipe de France universitaire dans le champ et en club j'étais gardien de but. et puis à un moment, à 20 ans, il a fallu faire un choix, donc j'avais eu mon DUG et puis j'ai décidé de me lancer
j'irai dans la carrière pro, puis ça a marché, j'ai fait 10 ans, voilà. Et puis ouais, après, c'est quand même pas rien, 222 matchs pro, c'est quand même pas rien. Ouais, pour quelqu'un qui hésitait entre gardien de but ou joueur de champ. Ouais, non, mais j'ai eu des sollicitations en plus pour partir dans des clubs pro en tant que joueur de champ, et puis bon, Valenciennes m'a fait une proposition qui était à l'époque intéressante, parce que j'avais possibilité de jouer en Ligue 2 de suite. Et parce qu'ils avaient un gardien, leur gardien numéro 1 qui était blessé, et donc voilà, j'y suis allé, je me suis imposé, et j'ai fait 10 ans d'affilée. Puis à 30 ans, avec un genou et un dos récalcitrant, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais entraîner, parce que j'ai commencé à entraîner très tôt, j'entraînais. Ouais, j'étais joueur pro et j'entraînais déjà à 24 ans, j'avais mon BE1, et puis j'étais à la fois joueur pro et j'entraînais un petit club départemental puis régional, puisqu'on est monté du côté de la Vendée là-bas, à Roche-Servière, où j'ai passé vraiment de très très bons moments et j'ai fait mes premières armes d'entraîneur. Et voilà, et après, logiquement, après la carrière de joueur, j'ai embrayé sur la carrière d'entraîneur depuis 1995, comme tu l'as dit. Ouais, et tu es passé d'entraîneur professionnel à sélectionneur aussi. Oui, alors c'est deux. En fait, j'ai eu trois carrières dans ma vie d'entraîneur. J'ai d'abord eu une carrière d'entraîneur au niveau amateur. Où j'ai fait DH, CFA2, CFA, National. Après, je suis retourné au centre de formation à Amiens. J'ai fait 5 ans directeur du centre de formation. Et c'était une expérience très, très enrichissante avec en plus, j'ai passé mon diplôme de formateur. Et puis après, j'ai quitté le monde de la formation pour rentrer sur les pros, la Ligue 2 et le National. Et puis après, il y a eu cet épisode très, très enrichissant à la Fédé de 4 années, de 2013 à 2017, où là, j'étais entraîneur national plus sélectionneur U18, U19, U20. Enfin, j'ai commencé avec les U20, j'ai fait U20, U18, U19, U20, et où j'ai eu des joueurs de très, très grande qualité. Pardon, c'est fréquenté un peu plus. Et voilà, tu me parlais de certains joueurs qui, maintenant, c'est on a l'étincelle dans les yeux. C'est la grande chance que l'on a quand on est, quand on a la possibilité d'avoir une sélection nationale, c'est qu'on voit passer chaque année des générations de grands talents avec des joueurs de très, très haut niveau. Voilà, et que j'ai commencé avec la génération 93-94 et j'ai fini avec la génération 97-98. Et dans cette tranche de 4 ans d'âge, j'ai eu des joueurs fabuleux et puis des mecs fabuleux aussi. Et dont la plupart jouent en Ligue 1 et dans les plus grands clubs en Europe, quoi. Et qui sont même pour la plupart en équipe de France. Donc c'est un parcours très 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 riche. Puis après j'ai fait les Émirats une année avec une qualification aux Jeux d'Asie pour la Coupe du Monde. Malheureusement pour un but on ne s'est pas qualifié. Et puis là-bas c'est la règle. Vous passez le contrat, il est prolongé d'un an. Vous ne passez pas, le contrat il se termine. Pour un but, on n'est pas passé. Et puis il y a eu cette dernière expérience. Mais c'est un parcours vraiment très intéressant parce que j'ai touché, on va dire, à la formation, les professionnels et les sélections nationales. Donc ça reste, je dirais, sur du très très haut niveau. Vainqueur de l'Euro. Vainqueur de l'Euro en 2016 en Allemagne, ouais. Voilà. Avec la génération 97-98. Quel joueur avez-vous sous votre aile? Il y avait le plus connu maintenant, puisqu'on parle que de lui, c'est Kylian Mbappé, qui lui était 98. Le petit Chris Mawassa, également 98, qui est passé par Nîmes l'année dernière et qui est reparti à Rennes. Ouais, puis après, j'ai eu des grands joueurs, Amin Harit, Lucas Touzard, le petit Clément Michelin, qui est en train de faire son trou à Lens et qui va sans doute monter. Issa Diop, Olivier Boscagli, qui est parti au PSV Eindhoven. Qu'est-ce qu'il y avait encore Ludoblas. Dans les buts, celui qui est actuellement à Nîmes et qui fait les beaux jours de Nîmes depuis 2 saisons. Paul Bernardoni, très très bon gardien. Et puis Jean-Kévin Augustin et puis d'autres. Deuxième gardien qui joue cette année titulaire à Niort, Quentin Bratt, qui était formé au FC Nantes. Non, j'ai eu la chance d'avoir de très 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 bons joueurs. Et sur la génération d'avant, j'ai eu les Hernandez, les Coman, les Rabiot, Tolisso. C'est bon, il a tout dit. C'était vraiment des générations fantastiques, plus d'autres qui n'ont pas forcément réussi sur la Ligue 1 le très haut niveau, mais qui jouent sur de la Ligue 2, puis avec toujours un état d'esprit fabuleux de la part des garçons. Voilà, c'était une grande, grande richesse de pouvoir côtoyer, de travailler à la Fédé déjà, parce que c'était un honneur et une grande richesse, et puis d'avoir eu la chance d'être au contact de joueurs de tel niveau. Et maintenant ? Maintenant, j'attends les projets. Aujourd'hui, comme j'ai cette triple casquette, formateur, entraîneur chez les pros, et aussi la capacité à manager des sélections nationales,
Voilà, je dirais que c'est un marché qui est un peu plus mondial. Voilà, il y a eu quelques opportunités, mais elles n'ont pas abouti, parce que quand vous êtes sur un marché mondial, ça veut dire aussi que l'offre, elle est mondiale, et que donc il y a des entraîneurs qui arrivent de tous horizons, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, je dirais, dans le plateau pour le choix final. Donc voilà, ça l'a pas fait. Après aussi, la dernière expérience en Algérie me fait dire que partir seul à l'étranger, c'est compliqué, et qu'il faut partir avec un staff solide. Voilà, et c'est aussi une des conditions, si je dois repartir sur un projet pour la saison prochaine, pouvoir emmener le staff que j'ai envie d'emmener, parce que c'est important de pouvoir travailler avec des gens avec qui que l'on connaît déjà, qui connaissent la méthode de travail et avec qui on a totalement confiance, effectivement. Merci Ludo. Merci en tout cas d'être là. On va m'écouter, Gilles, j'ai signoré. Bah écoute, donc voilà. Moi je suis cavaillonné, c'est pour ça aussi voilà. Que je suis là. c'est aussi l'émission régionale. Donc voilà, moi je suis enseignant à EPS, ma spécialité c'est le foot. Et donc depuis quelques années déjà, je suis à l'université, Aix-Marseille Université, donc j'enseigne le foot pendant la semaine. Et depuis donc 2013, j'ai eu la chance aussi d'être un des deux sélectionneurs, puisque nous sommes deux sélectionneurs de l'équipe de France universitaire, puisqu'il y a une compétition qu'on connaît peu, mais qui est fabuleuse, c'est les Universiades. Les Universiades, donc c'est les Jeux Olympiques, mais universitaires, où tous les sports sont réunis avec toutes les nations du monde. Voilà, donc j'en ai fait 4 en 2013. Ça se déroule tous les 4 ans ou c'est... Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. D'accord. Donc j'ai eu la chance d'en faire 4 avec un groupe. La première à Kazan, en Russie, avec le bonheur d'être champion du monde. Donc voilà. Premier début, première réussite de ce genre de choses. Avec vraiment, vraiment une expérience extraordinaire. Cache pas. Et après, donc après la 2 ans après en Corée, à Gangju, où là ça s'est moins bien passé, on finit 8e. 2 ans plus tard, on est allé donc à Taipei, à Taïwan, on finit second, on perd en finale contre le Japon. Japon qui, peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais qui à mon avis est une nation qui va devenir une très très belle nation de football, aussi bien chez les filles que chez les garçons, voilà, une petite parenthèse. Et là, en 2019, à Naples, on finit 7e. On perd un quart de finale contre l'Italie, 1-0. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Et donc voilà, donc enseignant. Vous êtes qualifié à chaque fois ? Tu es toujours qualifié ? Voilà, on est qualifié en fonction des résultats des années précédentes. Okay. Voilà, des compétitions précédentes, et ça se fait tous les 2 ans. Voilà, donc ça, enseignant, sélectionneur. Ouais. Voilà. Et puis depuis 19 ans, comme tu disais tout à l'heure, Rachid, je fais partie du club de l'Olympique Lyonnais, et donc je fais partie de la cellule de recrutement. Voilà, donc C'est pas rien parce que Lyon, voilà, on peut dire que, on va pas se mentir, hein, Lyon c'est le modèle au niveau des jeunes, au niveau du recrutement. Dès qu'il y a les meilleurs jeunes, ben, ils sont chez vous. C'est quelque part le travail aussi, il est fait avec des personnes comme toi, quoi. Faut aussi le soulever parce que tous les joueurs qui ont sorti ces dernières années, c'est incroyable, quoi. Notamment notre dernier invité, ouais, Jordan. Deux derniers. Oui, tout à fait, les deux derniers. Enfin, Jordan Ferry et Anthony Briançon qui étaient là avec vous précédemment. Ouais. Donc, c'est des jeunes que j'ai récupérés, entre guillemets, un à Saint-Rémy, un à Avignon. Ouais. Voilà, bon, après, ils ont suivi un parcours à l'Olympique Lyonnais. Jordan a fini à l'Olympique Lyonnais, puis après, est parti ailleurs. Anthony, lui, a eu une blessure, donc il a fini son contrat aspirant, puis après, il est parti à Nîmes, puis il a rebondi. Voilà, donc tous les deux sont maintenant en Ligue 1. D'autres, dont on parlera certainement tout à l'heure, ont des parcours un peu différents. Mais voilà, c'est depuis 19 ans, donc j'écume le week-end tous les terrains de la région pour observer et essayer de mener ou d'amener certains joueurs faire des essais à l'Olympique Lyonnais en espérant que ces joueurs puissent intégrer le club. Voilà, donc le but, c'est de repérer. Ouais. Des joueurs capables d'amener un plus au sein du club de l'Olympique Lyonnais. Et dans le Vaucluse, il y a de très bons joueurs, comme partout. Ouais, mais il y a de très bons joueurs aussi. Bien sûr. Voilà, donc et tu es uniquement dans le district Grand Vaucluse ou tu fais... Alors non, mon secteur de recrutement, c'est la région PACA. Donc c'est quand même 5 districts, c'est assez vaste. Ouais. Donc c'est pour ça que, comme je disais, il faut aller un peu à droite, à gauche, surtout rayonner dans tout le secteur.
Mais bon, l'avantage, c'est qu'en étant, donc depuis 19 ans, j'ai réussi à tisser un réseau assez important. Donc, on me donne des renseignements, on m'appelle, on me dit il y a tel joueur à tel endroit. Donc voilà, on essaye de recouper les informations et après d'aller voir une, deux, trois, quatre fois. Parce qu'une seule fois, ça ne suffit pas. Il faut observer plusieurs fois le joueur pour essayer de déceler ses qualités, mais surtout son potentiel. Parce que, effectivement, on observe un joueur de 13 ans, mais il faut être capable de se projeter 7 ans plus tard, quand il aura à peu près une vingtaine d'années, pour savoir s'il est susceptible d'être professionnel. Le but, c'est ça. Ouais. Voilà. Des statistiques des joueurs que tu as pu recruter et qu'on finit pour. Ouais, il y en a quelques-uns. Ben, donc, on parlait de Jordan Ferry, on parlait donc d'Anthony Briançon, Lamine Gassama qui joue en Turquie. Il y a Johan Kurt qui joue en première division aussi à Brest. Voilà. Après, il y a des joueurs qui jouent à un niveau inférieur, mais comme, de bons joueurs. Maxime Blanc. Maxime Blanc, qui était un très très bon joueur. On parlait tout à l'heure en aparté de Henning, Arthur, qui n'est pas passé dans le cadre professionnel, mais qui est maintenant dans le district, et qui fait une carrière tout à fait honorable, et puis qui a un projet maintenant professionnel. Voilà, donc à différents niveaux. Certains ont réussi à passer le cap et à devenir professionnel en Ligue 1, mais tout le monde est resté dans le foot. Voilà. Et surtout, ce qui est très important, c'est que la relation avec eux est toujours excellente. Ça, c'est le plus important. Tu as toujours des relations avec les joueurs que tu. Voilà, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est bien, comme quoi. Avec les joueurs, avec les familles, puisqu'après, c'est un échange. Et quand tu suis un joueur, forcément, bon, tu côtoies sa famille, tu as des projets au niveau de la scolarité, de son projet aussi professionnel. Donc, effectivement, on est souvent amené à discuter, parfois à consoler ou à aider. Bien sûr. C'est bien. Maintenant, place à Ludo. Peut-être bah non, bah, c'est bien enchaîné parce que vu que Gilles va faire son, on va dire, son marché, on va parler du côté un petit peu. C'est vrai, on est en relation. Donc, voilà. Par rapport à tout ce que tu mets en place, Ludo, pour tout ce qui est Ludo, donc notre CTD. Ouais. Ouais, donc moi je me reconnaissais un petit peu dans les présentations de Gilles et Ludo parce que moi je considère que je suis un peu un chanceux aussi comme Ludo parce que j'ai eu plusieurs casquettes dans ma carrière de footballeur. Parce que bon, je suis originaire d'ici aussi, c'est un grand plaisir de venir dans ma région depuis 3 ans puisque je suis originaire de Saint-Rémy, j'ai débuté là, je suis passé par un centre de formation à l'ESCAN où j'ai connu des garçons comme Guy Lacombe, Michel Troin qui m'ont donné le goût de passer de l'autre côté de la barrière. Bon, quand je n'ai pas signé pro, je savais qu'il fallait faire quelque chose de sa vie à un moment donné. Donc, j'étais revenu jouer dans la région à Beaucaire à l'époque, en CFA. Où j'ai connu Michel, Saint-Estevan, on a fait une montée nationale. Et puis, à 20 ans, il fallait bien faire quelque chose. Donc, j'ai repris les études de fac de sport, tout en revenant jouer chez moi dans mon club d'enfance, mon club de cœur qui est Saint-Rémy de Provence. Et après être devenu prof de PS, monté dans le Nord, c'est un peu le parcours obligé, Gilles, c'est ça. Et là, j'ai rencontré les gens de la Ligue Nord-Pas-de-Calais et je savais très bien que j'allais revenir dans le milieu fédéral rapidement. Donc très jeune, j'ai passé mon BE1, mon BE2. Et en fait, j'ai eu la chance de travailler rapidement avec les sections sportives élites, donc notamment celle de Lens, pendant quelques années. Et après, le parcours de prof de PS m'a amené en Polynésie et pour m'occuper de la section élite de la fédération là-bas. Et très rapidement, j'ai travaillé avec la fédération. Et en 2014, quand il a fallu trouver mise à disposition de l'éducation nationale, François Blacard, à l'époque, le DTL, m'a proposé de passer CTR en Polynésie. Donc forcément, un poste qui m'intéressait, parce qu'il y avait pas mal de choses à mettre en place. Et puis, j'ai découvert une région en Océanie où il y a beaucoup de talents qui sont certainement méconnus ici. Mais la région en Océanie, il y a les joueurs des pays de football de qualité. Mais bon, il n'y a pas le professionnalisme installé. Et en parallèle de mon parcours de prof de PS là-bas, bon, la Fédé, avec un BE2, etc., quelques expériences, m'ont demandé de bosser pour eux. Et ça m'a permis de travailler avec la Confédération océanienne et de disputer pas mal de compétitions, d'être responsable des sélections des 17 ans, des moins de 20 ans du pays là-bas. On a même eu la chance de faire un exploit. En 2013, on a gagné l'équivalent du championnat d'Europe chez nous, donc c'est le championnat d'Océanie. Et pour la première fois en 2013, un pays insulaire comme Tahiti a participé à la Coupe des Confédérations au Brésil. Donc, pour ça, quand je dis que je suis un chanceux, j'ai eu la chance, tu parlais des joueurs qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Aujourd'hui, grâce à des garçons comme Guy Lacombe qui nous avait poussé à aller chercher un bac, et c'est ce que je tiens comme discours aux parents dans les détections où les parents rêvent beaucoup.
Aujourd'hui, si je suis là, si j'ai pu connaître tout ce niveau, c'est parce qu'à un moment donné, je n'ai pas mis les études de côté, j'ai pu rebondir. Donc voilà, la chance d'avoir connu la Coupe des Confédérations au Brésil, d'avoir joué des matchs au Maracana contre l'Espagne. Pour un petit Provençal ici, c'était quelque chose d'intéressant. Donc aujourd'hui, je considère que j'ai eu la chance de toucher un peu à tout, des milieux amateurs, entraîneur régional, d'avoir eu la chance de faire des compétitions internationales, de bosser actuellement pour la Fédé. Donc je pense que quand on est conseiller technique, c'est quand même une richesse d'avoir touché un peu à tout et de savoir ce qui se passe au-dessus, de savoir ce qu'est le football au niveau départemental, avec ses joies et ses difficultés. Donc voilà un petit peu mon parcours, mais c'était un plaisir quand François Blacard m'a proposé le poste de CTR et puis quand Laurent Lauzin a quitté son poste, de pouvoir revenir ici pour raison un petit peu familiale et puis l'envie de se former encore à la DTN, de revenir dans mon district, au cœur du football local. Et je te rejoins, Rachid, il y a quand même de la qualité malgré ce que disent les gens. Il y a des bons joueurs dans le Grand Vaucluse. Voilà un petit peu. Et tes missions au niveau du district, tu peux nous apporter? Moi, je suis conseiller technique, donc c'est le PPS, donc on appelle ça le plan fédéral. Deux missions principales, c'est les formations de cadres. Donc, je suis responsable des formations de cadres ici. Tu as eu Julien pendant longtemps, non? J'ai eu Julien, qu'on a certifié. Donc, on considère qu'il a les compétences pour. Bon pas. Et les deuxièmes missions, c'est tout ce qui touche justement à tout ce qui est détection, mise en place de programmes un petit peu élite pour le district. C'est pour ça que les observateurs des clubs professionnels sont souvent en relation avec nous et c'est avec grand plaisir qu'on échange puisque moi, dans mes discussions, au cœur de mon projet, je mets toujours le joueur avant tout. On travaille pour le joueur. C'est ce que parfois les gens ne comprennent pas. Ils pensent trop club ou trop je ne sais quoi, mais on est là pour structurer les clubs, certes, mais à un moment donné, on est aussi là pour faire émerger des joueurs et accompagner des joueurs. Au niveau des sélections, donc du coup, tu as assez que tu t'occupes aussi de tout ce qui est. Donc on a suivi des joueurs des U13 au U15, au programme fédéral, donc avec les sélections des 15. Donc après, nous, les CTD, on est missionné sur les sélections régionales également. Okay. Donc là, cette année, moi, j'en charge la sélection U15 élite, avec qui on part en stage la semaine prochaine. Voilà, puis on en parlera tout à l'heure un petit peu aussi. On a mis en place quelque chose avec l'équipe technique, on a mis en place un programme spécifique dans le district, ce qu'on appelle nous les CPS U12, mais on y reviendra un petit peu. Dans le programme des détections, quelque chose qui. Du coup, c'est un âge charnière, hein, donc c'est pas pour rien que tu mets. Puis c'est pour. Il y a tellement de joueurs, éviter de se tromper, mieux connaître les garçons. Voilà, on a mis un programme un an avant l'opération Espoir du foot qui est préconisée par la DTN, des choses qui nous permettent de mieux connaître les générations N-1. Et puis c'est là qu'on commence déjà à échanger avec les observateurs parce que malheureusement, ça se détecte très tôt. On aura l'occasion d'en parler. On en parlera tout à l'heure avec notre thème du jour. Ouais. Et on va finir avec Jonathan, invité. Avec notre le dernier invité qui va se présenter, même si je pense que nombreux qui nous regardent te connaissent déjà, mais bon. Peut-être après un CV moins étoffé. Et ça fait plaisir d'entendre tous ces parcours. On va peut-être démarrer en disant que le football réunit des amis. Parce que j'ai mes trois amis ici, qu'on peut considérer vraiment comme des amis, et c'est grâce au football qu'on se connaît. Donc ça sert à ça aussi. Après, amis maintenant, on a été ennemis sur le terrain parce qu'on était confrontés, les deux attaquants, face au gardien de but, mais finalement, ça finit toujours bien. Passionné du poste gardien de but depuis l'âge de 12 ans, originaire de Villeneuve-les-Avignon, et par les parcours naturels du district, des sélections et puis du recrutement pour le coup de l'Olympique de Marseille. 2 ans d'expérience en centre de formation, très riche, très intéressante. Une blessure, mentalement peut-être pas assez préparée, un peu faible. Et j'ai rebondi ici au Pontet en régional et vite l'opportunité d'entraîner au poste du gardien de but et passionné par l'envie de transmettre, l'envie de donner, très très, très généreux dans ce domaine. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque l'Institut départemental du gardien de but, créé par Étienne Ripert, par Stéphane Flory et Pascal Faure, aujourd'hui à Troyes, et Stéphane Flory, ancien gardien sur Nîmes, qui ont intronisé un petit peu les écoles de gardien de but en France, qui n'existaient pas en 1996, avec l'aide de Christian Damiano, qui travaillait à la Fédé. Et donc avec Étienne Ripert, on a mis ça en route grâce à un emploi et on a fait développer aujourd'hui ce qui est le CFGB aujourd'hui,
et beaucoup de fierté de l'avoir ici dans notre région. Et, qui est maintenant et, une référence. Oui, une référence. Hein. Une référence du. Pas que du district, je pense que c'est. Faites le bonheur de même des autres clubs parce que c'est pas de par l'engouement, en effet, de loin. Hein, de la participation. Après, c'est pas toujours facile de le faire comprendre au club, même si de par le réseau, en effet, avec le temps, on arrive à côtoyer des entraîneurs et à faire accepter qu'on est un complément du club et qu'on travaille sur le projet du jeune, qui va pas forcément des fois en lien avec le club. Mais le travail est très très positif et les jeunes. Donc c'est basé donc sur Cavaillon. Ça a été créé à Cavaillon, basé à Cavaillon, et aujourd'hui sur deux pôles d'entraînement, un à Orange et un à Villeneuve-Avignon pour éviter les déplacements pour les jeunes. Et ça regroupe 100 gardiens de but, c'est 30 bénévoles, 15 administratifs et 15 coachs. Et depuis 10 ans, une section études et sports avec le lycée de Cavaillon, les deux lycées qui nous proposent la formule hébergement et études et nous mettent à disposition les terrains pour s'entraîner tous les jours. Donc une belle réussite. Après c'est un tremplin vers le cycle professionnel. Une cinquantaine de jeunes sont passés par le centre et ont réussi à intégrer des centres de formation. Certains ont réussi au plus haut niveau de la région aussi. On a eu Johan Carasso, qui malheureusement je crois ne joue plus aujourd'hui, mais on a par exemple Long Aubin qui est à Sochaux et de Nîmes, Lucas Dias, qui est aussi le deuxième gardien et qui a fait partie du pôle qui était à l'époque à Cadorousse avant Orange. Donc combien de centres de gardiens il y a en France comme ça? Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup qui œuvrent pour le gardien de but, et tant mieux, il en faut de plus en plus. Qui sont indépendants d'un club et qui fonctionnent avec nous, avec des salariés, je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 structures peut-être comme la nôtre qui le font ça, mais ça se fait assez rare quand même d'avoir autant d'engouement et d'en faire un travail et c'est une fierté vraiment. Nickel. Très bien, c'est. C'est qu'on en tire vraiment un bénéfice. C'est quand même un poste qui est souvent décrié, on va dire. Hein, mais voilà, de voir, pour avoir eu la chance d'être coaché pendant quelques temps par Jonathan et de voir que tout l'engouement que tu mets là-dedans et toutes ces personnes, tous ces entraîneurs qui font de ce centre de formation, c'est un tremplin pour pas mal de jeunes. Tu parles de ceux qui sont, et on en voit tous les week-ends avec leur maillot du CFGB sur les stades, donc c'est très bien, et je pense qu'il faut continuer que de faire ce genre de formation, et surtout que les clubs comprennent que, voilà, comme tu dis, c'est un apport par rapport au club, c'est un complément, et c'est que bénéfique pour les clubs. En plus de ça, tu fais rêver les jeunes, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, moi je suis admiratif, je te dis. Les stages que tu mets en place avec le centre, c'est juste extraordinaire, quoi. Parce que tous les clubs que tu es allé voir que c'est encore une fois les créateurs Étienne Ripert et Pascal qui ont lancé ça avec un premier stage à Parme grâce à leur contact avec la rencontre de Hermès Fulgoni, c'était le formateur de Buffon, et on a rencontré, moi j'étais stagiaire en 2000 et on a eu la chance de voir Buffon à 16 ans qui était déjà monstrueux. Et puis année après année, ça a été Fulham, ça a été Chelsea, ça a été l'Ajax. Et puis on a dit, il faut rester sur cette tendance. Ouais, on est allé sur Barcelone, on est allé à Valence, on a rencontré Ocho Torena, c'est le sélectionneur de l'équipe d'Espagne et de Valence à l'époque de Casillas. Et on est allé à la Juve, on a rencontré Didier Deschamps et Christian Damiano, et à nouveau Buffon. Et on a fait deux années à Bayern de Munich avec Manuel Neuer, avec des détentes à 1m20, c'est juste exceptionnel pour son gabarit. Et là, on tape encore un gros. notre troisième gardien, Alphonse Areola, puisqu'on va aller sur le Real Madrid. Et au mois d'avril, c'est ça? Au mois d'avril, ouais. Au mois d'avril, on part avec 36 jeunes et 20 coachs pour aller découvrir une ville, un club, une ambiance. On assiste à un match, on va peut-être assister à un entraînement, et je peux vous dire que c'est très très compliqué de pénétrer dans l'enceinte du Real Madrid.
Et on va donner la chance aux jeunes de rencontrer une star, parce que c'est ce qui les fait rêver, hein. Et c'est ce qui leur donne envie aussi d'avancer. Donc, des beaux projets. Ouais. Bravo. Bravo. Merci. C'est ce qui nous fait basculer sur notre premier thème de l'émission. Oui. Notre premier thème de l'émission avec deux gardiens de but entre Ludo et Jo, avec ce premier thème. Le rôle du gardien de but et l'importance de ce poste. L'importance, l'évolution aussi. L'évolution. Parce que ces dernières années, on voit des gardiens sortir avec des... Avec l'évolution maintenant du jeu au pied du gardien de but, qui avant n'était peut-être pas... Ludo peut-être a connu passe en retrait avec le ballon récupéré à la main. Ludovic devait être précurseur, parce qu'avec son double rôle de joueur et gardien, je suppose que ça a dû être. C'est pas ton cas, toi. J'aime pas trop parler de moi, mais je vais revenir sur la création du CFGB. C'est une double très bonne initiative. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a le panel stage où là on va découvrir dans les grands clubs les grands gardiens, la méthodologie, l'entraînement qui a beaucoup évolué sur les, comme tu l'as dit, les 15 dernières années avec l'avènement du jeu au pied. Mais il ne faut pas oublier, c'est que pendant très longtemps, le gardien a été un joueur oublié dans les clubs et dans les petits clubs. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif, hein. C'est dans les clubs qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un entraîneur de gardien. Et pendant très longtemps, on a vu les gardiens au bout du terrain se débrouiller eux-mêmes, et ça a été une très très bonne initiative, et c'est une très bonne initiative quand des stages comme ça, quand des institutions se créent pour permettre aux gardiens de but de pouvoir bénéficier de un ou de deux spécifiques dans la semaine, en plus du travail avec l'équipe. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 ans, les gardiens ne s'en occupaient pas du tout. Et on s'est vite, alors dans les clubs, on va dire, en dessous de la DH. Après, au-dessus, il y a des choses qui se sont mises en place avec, chez les professionnels notamment, des entraîneurs qui étaient là pour entraîner spécifiquement les gardiens de but. Mais au niveau en dessous, ça n'existait pas. Donc le gardien, il était livré à lui-même. Des fois, il était tout seul. Donc qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Rien. Quand ils étaient deux, que c'était une chance d'avoir deux gardiens d'entraînement, les deux pouvaient s'entraîner eux-mêmes, s'auto-entraîner, on va dire. Et puis, on a vite... vu ce qui s'est développé chez les professionnels, et là on a commencé à le décliner, et maintenant il y a beaucoup de clubs qui sont très très bien organisés, les formations diplômantes ont été mises en place, en plus j'ai fait partie pendant 4 ans de la formation des gardiens de but, il y a des choses qui ont été déclinées au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, maintenant depuis 2 ans, il y a la licence AUFA qui a été obtenue et qui a été revisitée sur la licence pro dans les clubs pro. Donc effectivement, il y a eu sur les 15 dernières années, avec tout le travail qui avait été fait avant que j'arrive à la Fédé de par mes prédécesseurs, sur les cellules de recherche, sur la mise en place des formations adéquates, un gros gros boulot qui a été mis en place sur la formation des entraîneurs de gardiens de but. Et puis ça a été décliné, on va dire, au plus bas niveau dans les clubs, où là maintenant on s'occupe des gardiens de but, on les fait travailler, il y a une méthodologie, il y a des choses qui se mettent en place, et aujourd'hui on fait partie, je pense, d'une des meilleures nations du monde en termes de compétences de gardiens de but, en termes de formation de gardiens de but, même si l'Allemagne a aussi de très très bonnes choses, et les Anglais qui ont aussi fait évoluer leur méthodologie. Mais ils avaient beaucoup de retard, même sur la formation des joueurs avec leur système de formation d'entraîneurs. Avec l'ouverture de leur centre il y a une dizaine d'années, ils ont fait des pas de géant en termes de formation et en termes de formation joueurs, parce que maintenant ils ont véritablement, ils ne sont pas champions du monde du 18 et championnat du monde du 20 pour rien ces trois dernières années, parce qu'il y a eu vraiment une très grosse prise en compte un peu sur le modèle français de formation des joueurs et des gardiens de but de ce qui a été mis en place, et ils l'ont mis à leur sauce, la sauce anglaise, parce qu'aujourd'hui voilà, il y a plein de courants qui sont arrivés, on va dire, dans la formation des gardiens de but, mais nous notre méthodologie française, pardon, est très riche, même si le poste a évolué, même si le système de formation a évolué, mais voilà, on a été capable de par le passé de former de très très bons gardiens de but.
Parce que dans tous les clubs, pro et aussi en dessous, ça travaille très 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 bien. Et maintenant, l'obligation de diplôme a été mise en place dans les centres de formation. C'est-à-dire que chaque centre de formation, qu'il soit de catégorie 1 ou 2, a l'obligation d'avoir un entraîneur des gardiens. Et ça aussi, ça a été un vrai plus. Parce qu'avant, c'est vrai, il n'y avait que les pros. On a décliné sur les centres. Maintenant, à la préfo, dans les centres de préfo, il y a un entraîneur des gardiens dédié. Et puis maintenant, il y a des clubs où chez les 12, 13, à l'école de foot, il y a déjà des entraîneurs de gardiens. C'est vraiment un rôle à part. Hein. C'est vraiment des entraînements spécifiques. C'est pas prouvé On a pris en compte effectivement que c'était un rôle à part, doté d'un entraînement spécifique, en plus de l'entraînement avec l'équipe. Puisqu'avec l'avènement du jeu au pied, il faut que de temps en temps le gardien il soit aussi capable de participer dans les jeux et dans le jeu au pied. Et c'est une vraie richesse et c'est une vraie révolution pour les gardiens. Et toi, Gilles, au niveau du recrutement, tu veux aussi en charger, bien sûr. Après, c'est un poste effectivement qui est très particulier, même en termes de recrutement. Parce que là, tout à l'heure, on parlait sur les 19 ans là, de mon parcours à l'Olympique Lyonnais. Je n'ai fait signer qu'un seul joueur gardien donc, qui venait de Martigues. C'était la génération 88, Jérémy MS, qui n'est pas passé professionnel. Mais je pense que pour les garçons qui jouent ce poste de gardien, c'est très, très complexe. Parce que dans chaque catégorie, à chaque niveau, il te faut deux gardiens par génération. Sauf que, à la fin, quand la pyramide se réduit, pour arriver en pro, forcément, les places, elles sont chères. Et donc, simplement l'anecdote, c'est que ce jeune garçon qui était né en 88, donc il est arrivé, chaque année il jouait, il était titulaire, etc. Devant lui, en 87, il y avait Rémi Rioux, il y avait Johan Artoc. Et en pro, il y avait Rémi Lercoutre et Grégory Coupé. Donc à un moment donné, l'entonnoir était trop resserré. Et effectivement, donc après il est retourné sur Istres, il a joué en Ligue 2 quelques matchs. Puis après il est parti à Granville où il a fait quelques matchs héroïques d'ailleurs en Coupe de France. Mais il n'est pas passé au très très haut niveau. Donc je pense que pour ce poste-là, c'est vraiment très particulier. Et que pour les jeunes garçons qui nous écoutent, il faut qu'ils soient très très motivés. C'est patient aussi, tu peux être numéro 2 pendant des années et avoir ta chance un jour ou l'autre. Comme le dit Gilles, c'est difficile parce que bon, y a un critère qui est devenu. Alors après, certains mettent le curseur à un certain niveau. Moi, je ne suis pas pour un curseur, mais il y a la taille. Et quand vous avez un gamin de 12, 13, 14 ans, c'est toujours très difficile de se dire il va avoir le profil d'un gardien de haut niveau, c'est-à-dire Ligue 1, peut-être Ligue 2, mais plutôt Ligue 1, voire même encore au-dessus, pour faire partie des équipes de France. Aujourd'hui, on va sur des gardiens qui sont proches du 1m90, même s'il y a des gardiens en dessous, à 1m85, à 1m83. Anthony Lopez à Lyon, Brest. Gauthier que j'ai eu avec moi. Parce que c'est un 97, Gauthier, qui a mis un petit peu de temps à pousser, puis qui maintenant fait 83 ou 84, et qui fait partie des tout bons gardiens de la Ligue 1. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait partie de la génération encore des petits gardiens, parce que je faisais 1m77. Le dernier à avoir fait cette taille à jouer, c'est Jérémy Janot. Aujourd'hui, effectivement, il y a un critère de taille, mais qui, pour certains, est au-dessus d'un 90, mais qui, pour d'autres, reste en dessous aux alentours d'un 1,85. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des profils différents, des profils d'explosivité, des profils de détente, des profils de jeu au pied aussi maintenant, parce que vous avez des vrais gardiens qui sont de très très bons footballeurs, d'abord avec les pieds, même si je dis que le rôle numéro un d'un gardien, c'est d'avoir quand même aussi des mains et être capable d'arrêter les ballons, parce que ça reste important. Parce qu'on parle que du jeu au pied, il est très bon, il est bon avec les pieds, mais le plus important, c'est quand même que le ballon ne franchisse pas la ligne. Ça reste l'aspect numéro un. Mais effectivement, il faut, je dirais aujourd'hui, former des gardiens complets parce qu'ils doivent être très bons sur le plan défensif, mais ils doivent être aussi très bons sur le plan offensif parce que quand le gardien il a le ballon dans les pieds, comme on dit, c'est le premier relanceur et c'est le premier attaquant. Après, c'est que la taille est moins importante, j'ai l'impression. Quand tu vois Navas, il est passé comme ça. Ce que dit Ludo est important puisque nous, on le voit au quotidien. Il y a des observateurs de clubs pro qui sont très figés sur un critère de taille. Et nous, ils nous disent si c'est pas telle taille, ça ne nous intéresse pas. Donc par rapport aux garçons qui peuvent écouter le plateau,
il y a de la place pour tout le monde, j'en suis persuadé, avec des qualités plus ou moins différentes, notamment tu parlais de l'Explose Visité, du Jump, comme tu disais, de Neuillère. Anticipation, lecture des trajectoires. Lecture des trajectoires. Ça, c'est des choses qu'on peut développer. On n'a pas besoin de faire 1m90. Ça, c'est bon dans l'anticipation et la lecture. Ils ont une lecture au-dessus de la moyenne. La compréhension du jeu. Voilà, moi, au quotidien, on a pour mission aussi, parce qu'on va parler de la détection aussi, mais tu sais que chaque année, par rapport au Pôle Espoir, nous, on doit présenter des gardiens de but. Et c'est toujours un petit peu le dilemme entre le ressenti qu'on a nous, même si on est dans l'équipe, on a des spécialistes du poste, entre le garçon qui va faire un 90 plus tard et qu'on ne sent pas trop sentir le jeu, des qualités peut-être limitées, et puis le petit qui a 12-13 ans, qui commence à avoir une panoplie du vrai gardien de but de haut niveau. Et quand on entend certains qui nous disent « ouais, mais ça ne fera pas plus de 1m80 », c'est un peu difficile à entendre pour les, alors que je reste persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors après, sur le très très haut niveau, quand je parle très haut niveau, c'est niveau international, ouais. C'est-à-dire les clubs qui jouent le Ligue 1, qui jouent la Ligue des Champions, qui aujourd'hui, je dirais que le seuil d'un 85, il est là, quoi. Après, bah, en dessous, il y a de la place pour la Ligue 1, normal, il y a de la place pour la Ligue 2, il y a de la place pour faire une carrière de joueur professionnel. Voilà, après, aujourd'hui, effectivement, le très haut niveau exige un minima. Certains pensent que c'est un 90 et même d'autres plus. Et puis moi, je dis que sur du 1,84 à 85, mais avec d'autres qualités d'explosivité, de lecture, il y a de la place aussi pour ces garçons. Et tes séances, du coup, Jo, par rapport à… Et donc, qu'est-ce que tu as travaillé ce que les clubs ne vont pas travailler comme, comme il a dit, il y a un panel qui est très large, qui vient d'être pris en considération maintenant, on peut dire, à tout niveau, techniquement, par un travail technique de prise de balle. C'est la répétition du geste. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de répétitions. Après, après, toute la notion d'approche et de lecture, c'est ce qui différencie quand même les gardiens de but. Le jeu aérien est un domaine très, très difficile, avec trajectoire pas facile à lire, avec beaucoup de densité. On se sent un peu seul face à tous, même si le défenseur sera là pour nous aider. Mais il y a un peu cette difficulté et cette appréhension à gérer. Et chez les jeunes, c'est encore plus dur, avec un petit peu les notions de stress. Mais la lecture trajectoire, le jeu aérien, est certainement le domaine qui fait la différence chez les gardiens. Est-ce que tu as évolué aussi toi, par rapport à ce jeu au pied là, qui est venu à la mode depuis? Le jeu au pied est devenu à la mode. Au plus on avance, au plus on veut du jeu fluide, on veut du jeu propre, on veut moins de perte de balles. Donc forcément, on utilise le gardien de but qui fait surnombre. Donc je suis en phase de possession, mon gardien c'est un joueur. C'est un joueur. Et on le voit aujourd'hui, je suis surpris par Paris ou par des grandes équipes, des récupérateurs au milieu terrain ne se posent même pas de questions, sans regarder, ils jouent avec leur gardien. On l'a vu à Lyon le week-end dernier, qui a failli marquer au second. Ça a failli. Ah, failli. Voilà. Donc ça devient une solution très rapide et qui permet donc forcément, tu sollicites sur le jeu au pied. Ouais. Après la relance est super importante aussi parce que c'est par de là, hein. En match on passe 80% du temps à regarder les autres. Ça il faut le dire quand même, quand tu es gardien de but, tu passes ton temps alors tu regardes pas, tu n'es pas spectateur, tu te fatigues par les déplacements et il faut voir comment tu déplaces, et un gardien de but il doit être à l'affût de tout. C'est une fatigue et nerveuse. Dès qu'il y a une approche à 30, 40, 45 mètres, mais là, il faut être prêt. C'est la nouvelle règle a libéré complètement le gardien. Parce qu'avant, le gardien, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait dans son rectangle. Parce qu'il avait le droit que de jouer là. Parce qu'en fait, on l'utilisait très très peu dans le jeu au pied. Et lui, sa zone, c'était à la main là-dedans. Et il devait le prendre qu'à la main. Et en plus, le défenseur avait le droit de lui donner le ballon et il pouvait le prendre à la main. Quand cette règle a fait que le défenseur, quand il donnait le ballon à son gardien, le gardien ne pouvait plus la prendre avec les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gardien s'est dit, moi aussi maintenant je vais me mettre à jouer un petit peu plus haut. Et puis on commence à l'utiliser. Et combien on voit de gardiens en limite de surface ou juste en dehors de la surface, et puis que les défenseurs l'utilisent. Alors il y a encore des situations un peu des fois qui font que ça devient dangereux et qu'on prend des buts. Mais aujourd'hui, je pense que notamment chez les jeunes, c'est là où il ne faut pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux que ton jeune gardien s'habitue très très vite à jouer au pied,
ben, il faut l'habituer à le mettre dans les séances d'entraînement, dans les jeux de possession, dans les jeux de conservation. Il faut trouver aussi dans les exercices qu'on met en place au niveau des gardiens, le fait que le gardien, dès le démarrage de l'action, c'est lui qui va être, je dirais, le point de départ de la situation. Et c'était, ça a été à l'époque toute une révolution en termes d'entraînement. Si tu me permets là-dessus, et si on peut communiquer à tous les coachs qui nous regardent, des jeunes, il faut que le gardien de but, je regarde la caméra, il faut qu'il tire le 6 mètres. Même s'il n'a pas une grosse frappe, il ne sait pas frapper le ballon et monter. Alors encore plus avec maintenant l'avènement de la nouvelle règle où le joueur, quand on tire le 6 mètres, il peut prendre le ballon dans les 16-50. Chez les U13, le terrain est plus petit, c'est peut-être moins, il y a moins d'appréhension. Dès qu'on passe U14, un gardien qui n'a pas de frappe, tu lui fais tirer un 6 mètres, tous les attaquants vont se mettre devant. Mais maintenant, on a la possibilité de jouer court dans la surface. Et il faut prendre le jeu. Après, alors ça, par rapport à l'évolution des règles, même dans le foot d'animation, l'histoire de la relance protégée chez les petits, moi, je trouve que les éducateurs commencent, après quelques années de mise en place de règles, ils commencent enfin à comprendre le bienfait de la règle. Donc, pour éviter, c'est le ballon dégagé n'importe où. On voit pas mal d'éducateurs relancer court, inciter les gamins à relancer court. Donc, forcément, le gardien, il ne peut plus la prendre à la main. Et on a des gardiens qui commencent vraiment à participer de façon importante au jeu au pied. Et là-dessus, il y a une réelle évolution du poste du gardien de but, en tout cas de l'amélioration de ce que nous on voit chez les petits, dû à la compréhension de cette règle. Et puis c'est un vrai plus, parce que dans la latéralisation, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qui ont encore un seul pied. Mais le gardien, quand il reçoit le ballon, parce que souvent, le grand principe, c'est le ballon vient d'un côté, il faut aller de l'autre. Donc quand tu reçois le ballon de la gauche, tu peux y aller avec ton pied droit, mais quand le ballon il vient de la droite, si tu n'es pas habile de ton pied gauche et que tu n'as pas habitué ton gardien à jouer de l'autre côté, effectivement, tu crées des handicapés, presque. Parce que quand tu n'as qu'un côté, au football, tu es handicapé. Quoi. Et donc, et cette latéralisation très jeune, pied droit, pied gauche, fait qu'on a vu des gardiens qui étaient aussi beaucoup plus latéralisés dans le plongeon à droite ou à gauche, comme par hasard. On sait que les règles ont évolué, et tant mieux, parce qu'au niveau des jeunes, je me rappelle, il y a quelques années, le gardien pouvait dégager en demi-volée. Il n'y avait même plus de match en U13. Tu avais des garçons qui faisaient ça tout le match. J'avais vu des gardiens marquer de leur camp, quoi, de leur cage en U13. En tout cas, sur le foot d'animation, on voit des éducateurs pousser les gardiens à participer au jeu, à sortir. Dès les U9, on voit des choses intéressantes. Son gardien de but par rapport à son feu de pied. Il a dit, il a répété, c'est Guardiola. Son recrutement de son gardien de but actuel, Ederson, je crois que c'est son. Il a recruté par rapport à son jeu de pied. Non, mais je dis, parce que c'est. Aujourd'hui, après, quand vous êtes au Real, au Barça ou dans les clubs qui jouent avec des entraîneurs espagnols qui s'exportent aussi à l'étranger, qui plus est en Angleterre, aujourd'hui. Et ça a été un chamboulement total pour les gardiens anglais, parce que les gardiens anglais c'était quoi? Kick and rush, ils mettaient à plus c'était loin, mieux c'était. Simon, et maintenant vous avez des gardiens anglais, moi je les ai joués les anglais maintes et maintes fois, les gardiens anglais ils ont un jeu au pied, c'est extraordinaire, pied droit, pied gauche, ils vous la mettent à 10 mètres, ils vous la mettent entre les lignes à 30 mètres et ils vous la mettent à 70 mètres et ça tombe dans les pieds du joueur. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais nous aussi en France on a des gardiens qui sont capables de faire des choses. Il y a un gardien dont c'est un très bon gardien, Benoît Costil, un jeu au pied fantastique. Steve Mandanda, un jeu au pied grandiose. Je vois souvent tu as parlé de Buffon. Des séances, moi, j'ai vu des images de Buffon, parce que Buffon, il a fait une carrière, ça fait 18 ans qu'il a, 20 ans même. Le Buffon d'il y a 15 ans et le Buffon de maintenant, mais on se dit, mais c'est une métamorphose. Buffon, il y a 15 ans, avec les pieds, c'était une catastrophe. Maintenant, on l'a vu, même si l'épisode PSG, ça n'a pas été son meilleur épisode, ce qu'il a fait à la Juve les 4-5 dernières années, c'est fabuleux en termes de jeu au pied. Parce que lui, c'est un vrai joueur en plus maintenant. Et il participe, et il va sur le côté du but. Et... Après, il y a eu le fait aussi que le foot a évolué, les équipes veulent le ballon maintenant, en général. Donc c'est un peu plus disposé, c'est un peu plus aéré qu'avant, où on ne prenait pas de risque, souvent il dégageait. Et malheureusement, il mettait le ballon où il pouvait, quoi. Et c'était le combat, et le premier ballon, le second ballon, comme on voit en district souvent, quand on dit premier, second. Troisième, le fait qu'il y ait plus on occupe mieux la largeur, qu'il y ait plus de joueurs qui demandent le ballon, qui ont moins peur de demander, c'est que les gardiens maintenant, ils n'hésitent pas à mettre le ballon dans l'intervalle. Mais je dirais que si on veut retrouver ça, moi je me mets dans le côté formateur, le côté éducateur, là. Il faut que nos éducateurs comprennent qu'il faut encourager ce type de jeu chez les gardiens. Ouais. Le gardien. S'il fait une erreur de relance, on prend un but. Chez un foot d'animation, ce n'est pas très grave. Donc il faut encourager cette prise d'initiative, cette qualité de relance des gardiens. Sinon,
Le gardien, s'il fait une erreur, il fait pas exprès. Quand on parle de ça, dessus, ça tombe bien. Le côté psychologique, est-ce que tu, toi Jonathan, ton quotidien, est-ce que tu travailles avec les joueurs par rapport à ça? Parce que c'est que très jeunes, ils ont ce côté où ben, ils ont tout le poids, ben, c'est le dernier rempart. Quoi. Donc s'ils font une boulette, c'est leur faute. S'ils pleurent, c'est leur faute. Le problème, c'est ça. C'est, que c'est souvent le cas, et même en foot animation, j'ai vu maintes et maintes fois. Le gardien qui fait ah ben dégage parce que la peur de l'erreur du gardien. J'avais parlé d'un. Non, c'est la peur de l'éducateur. Qui est transmise au garçon. Mais c'est la peur d'une seule chose qui est dramatique en formation, c'est la peur du résultat. Peur du résultat. Mais dans l'évolution du poste, si on prend le plus large, on a vu l'évolution du jeu au pied, il y a l'évolution des caractères et des profils aussi. Je pense qu'il y a un profil quand même gardien de but. Et si on prend. C'est pas avant il y a longtemps, mais moi de mémoire j'avais bon Barthez, il y avait Chilavert, il y avait Olmeta. On disait un peu c'était des gardiens fous. Ouais, des fous. Des profils. voilà, des profils qui se démarquaient par leur maillot, des fois vraiment, qui jouaient là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, le gardien il s'est un peu reconcentré sur le jeu et sur l'équipe. Et par rapport à ces impréhensions-là, ben c'est du naturel, quoi. C'est du caractère. Et un jeune, s'il n'a pas une force un peu naturelle, il va appréhender et il va faire des erreurs sous la pression. Donc on en parlait, comment faire? Et rassurer. Et voilà, je pense que là, le rôle de l'entraîneur, est, effectivement, et les éducateurs de gardiens qu'on a formés, il est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas céder... À la pression de qui que ce soit quand tu es entraîneur des gardiens. À partir du moment où tu veux former un gardien, tu dois former un garçon complet et qui plus est au jeu au pied. Et donc, moi je l'ai vu quand on était à Saint-Rémy et que Jules jouait, je voyais des gardiens, ils étaient en peine, les pauvres, parce qu'ils étaient comme ça, quoi. Pourquoi? C'est pas forcément l'entraîneur, il voulait que ça joue, mais quand à côté les parents, les pseudo-supporters qui commencent à crier sur le gamin parce qu'il a 12 ans, il a pas de force. Bah oui, il a pas de force, c'est normal, il a 12 ans. Ouais. Donc, après, et puis, hein, et puis que, mais moi j'ai vu même des éducateurs encourager, et puis t'as tous les gens autour de la main courante qui commencent à pourrir le gamin parce qu'il dégage pas assez loin et puis qu'il faudrait mettre le bain. Non. Il suffit de citer quelques formes. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui il faut avoir ses convictions, l'entraîneur doit les avoir, et puis il doit conforter son gardien dans ce qu'il doit faire, dans ce qu'il est capable de faire, parce que tu as des garçons de 12 ans qui sont capables de faire des choses, un garçon à 14, il est capable d'en faire d'autres, et à 17, et à 16, et à 18, et à 20, ce sera différent, et c'est le parcours. Mais aujourd'hui, voilà, tu ne peux pas demander qu'un gardien de 12 ans, il se comporte comme un gardien de 18 ou un gardien de 22, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, il va avoir des manques d'un point de vue morphologique, d'un point de vue taille, d'un point de vue force, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue latéralisation. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que le métier de recruteur, que ce soit pour les gardiens ou pour les joueurs, est un métier difficile. Parce que tu dois voir à l'instant T un joueur que tu voudras avoir dans 5, 6 ou 7 ans quand il aura fini son cursus de formation et comment il va devenir. Mais moi aujourd'hui, en toute humilité, même un garçon de 16-17 ans, je ne peux pas te dire s'il va être pro. Parce qu'il se passe tellement de choses sur le parcours, il se passe tellement de choses dans la vie du gamin, il se passe tellement de choses dans l'entraînement, dans le type d'entraîneur qu'il va avoir, que le garçon, tu ne sais pas comment il va évoluer. Moi, j'ai vu des garçons très doués à 16-17 ans, et puis tu ne les voyais plus en 19-20. Puis j'ai vu des garçons arriver en 19-20 qui sortaient de nulle part. Et puis ça a été la métamorphose parce qu'il y a un coach en CFA qui leur a fait confiance, ils ont commencé à jouer. Tu as l'entraîneur des pros qui a commencé à ouvrir la porte. Et puis là, le gamin, il prend tout de suite un charisme. Et bon, je veux parler d'un garçon que j'ai eu avec moi, le petit Corentin Tolisso, que tu as sans doute connu. Corentin Tolisso, il était comme ça. Moi, je l'ai eu en U20, il faisait 1m74-75, il devait faire à peine 70 kilos. Alors, c'était un joueur très intelligent. Tout dans l'évitement, tout dans la passe. Maintenant, Corentin, il fait 1m83, il doit faire 80 kilos, il est comme ça. Et il a gardé sa spécificité, son approche du foot, mais en plus, c'est un athlète. Voilà. Et puis, moi, je l'ai eu avec moi sur le jeu de la francophonie, mais après, malheureusement, la fois où j'ai voulu le prendre, il s'était blessé. Corentin, c'est un super joueur de football. Le petit Cacré à Lyon qui est en train de pousser son nez. Voilà, c'est pas un athlète, c'est pas un mec qui fait 1m90 et 85 kilos. Hein, c'est pas. Non. Il faut faire quoi, Maxence? 1m73, 74. Voilà. Et aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Après, voilà, c'est qu'est-ce que l'on veut faire. Moi, aujourd'hui, on parle de l'OM. Parce que l'OM est redevenu sur le devant de la scène. Parce que l'OM, quand il n'y a pas de résultats, c'est les crises. Quand il y a les résultats, tout va bien. Vous regardez le milieu. Rongier-Sanson.
avant d'être des athlètes, parce qu'ils courent beaucoup, mais ce n'est pas des monstres d'un mètre 85, un mètre 90, mais par contre, c'est des joueurs très intelligents et des joueurs qui, quand vous mettez le ballon dans les pieds, il se passe des choses, quoi. Parce que ça joue, ça vit. Là, tu nous as fait une super transition. Voilà, là, ouais. ce que dit Ludo, ben, j'allais rebondir dessus. C'est notre deuxième thème, du coup, sur le système de recrutement des jeunes. C'est une très belle transition de Ludo. Donc, c'est exactement les critères sur lesquels nous, on est très vigilants, et moi en particulier. Le critère d'intelligence du joueur et le critère technique. Le garçon qui a tout compris aujourd'hui, qui a 12 ans, tu sens qu'il a cette intelligence, il est dans l'évitement, il est dans la passe, il se déplace bien, il sait ce qu'il faut faire. Parfois, il peut avoir un peu de mal à exister parce qu'il a un retard de croissance. Jusqu'à présent, il y a quelques années, on oubliait peut-être ces garçons-là. Aujourd'hui, nous, on essaye de les mettre en avant. Pour preuve, cette année, la sélection U15 du district qu'on a sorti avec l'équipe technique, on a sorti des bébés. Mais aujourd'hui, il y en a 10 qui étaient en stage en avenir avec la sélection régionale. Donc, je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Et les gens qui ne sont pas forcément du milieu ne le comprennent pas. Ils ont tendance à voir à l'instant T le grand qui court vite, qui marque des buts. Ouais, ouais. Et presque ces gens-là, ils vont dire « mais lui, il ne comprend rien parce qu'il ne prend pas le grand, ce qui marque des buts ». Sauf que dans 2 ans, c'est pas celui-là qu'on va retrouver, ça peut-être. Ça a énormément changé, ça, parce que c'est qu'avant, c'était vraiment... Ah, on est très vigilant. Et je suis content que Ludo... Je pense qu'il y a eu, deux grandes périodes. Ouais. Il y a eu la première période où, effectivement, en France, on a toujours eu des bons footballeurs. Ouais. Et quand tu bats la campagne, que ce soit ici dans le Vaucluse ou ailleurs, quand tu regardes des matchs, tu te dis, il y a des bons petits footballeurs, des gamins de 13, 12, 13 ans. Bon, avant, c'est un petit peu trop. Moi, je parle 12 ans, 13 ans, ça commence à être le bon moment. 12, 13, 14, putain, il y a des bons footballeurs. Il y en a plein. Après, ils vont être là. Voilà, c'est la chance d'être vus au bon moment, le jour où ils sont sur ils sont dans un bon jour. Comme t'as on dit, passage au foot à 11 aussi. Voilà. Un coach ou un œil qui a une sensibilité. Tiens, c'est sa sensibilité. Parce que quand on est 5, 10 à recruter, on a des sensibilités sur certaines choses. Et puis, on va voir certains joueurs plus que d'autres. L'autre à côté, il va voir peut-être plus lui. Et pourquoi ? Après, c'est pourquoi. Et puis, souvent, dans les opérations de détection, on met tout dans le pot commun. Et puis, ça discute. On est, moi, je dis toujours, plutôt que de faire passer quelqu'un au travers, autant essayer de le revoir. Gilles a parlé de 4 fois, 5 fois. Voilà, au moins, tu le vois, le joueur. Et là, tu ne te trompes pas. Tu le vois 3 fois jouer à la maison. Tu le vois 3 fois à l'extérieur. Tu le vois sur des stages. Tu le vois en dehors de son contexte, quand il n'est pas dans son équipe. Parce qu'un joueur en club... Tu le vois d'une certaine façon, dès qu'il fait partie d'une sélection de district avec des meilleurs, parce que c'est plus le même, parce que le niveau n'est pas le même. Et donc là, il faut savoir confronter parfois les meilleurs ensemble. Il faut savoir, puis après, c'est les critères de sélection, le profil de joueur que tu veux avoir par rapport au poste. Parce qu'aujourd'hui, le football se joue de plein de façons, dans plein de systèmes différents. Mais après, voilà, c'est qu'est-ce que tu vas développer? Qu'est-ce que le joueur a déjà comme intelligence? Parce que l'intelligence de jeu est pour moi fondamentale. Exactement, l'intelligence de déplacement. La capacité à jouer avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu 2 périodes. On a eu nos bons footballeurs, mais on dit « Ouais, mais le joueur français, il n'est pas grand, il n'est pas costaud, il n'est pas puissant. » Après, on a dérivé vers un autre modèle où on a voulu que des grands, des costauds, des marmules, des puissants, mais qui en termes de réflexion sur le jeu, en termes de réflexion par rapport au jeu collectif, avait beaucoup, beaucoup de manques. Et puis j'espère qu'on va revenir sur un mix des deux, parce qu'effectivement, le haut niveau, c'est la vitesse, c'est la force, c'est la puissance, mais c'est avant tout, qu'est-ce que tu es capable de faire quand tu as le ballon dans les pieds et comment tu es capable de l'utiliser. Et Gilles, toi, par rapport à ces dernières années, tu as vu une évolution par rapport, je pense qu'on doit te demander certains critères, je pense, à ton club, à Lyon, donc si tu as vu une certaine différence ou tu as trouvé que ça a été… Si tu veux, chez nous à l'Olympique Lyonnais, il y a quand même une continuité dans la politique du club. Et en fait, ce qu'on recherche en priorité, c'est le talent. Le talent, mais le talent, c'est aussi la technique, c'est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la prise d'information, c'est décider vite, c'est éviter. Alors effectivement, il y a le domaine être capable de courir vite, être capable de répéter les efforts. Ça fait partie du bagage du footballeur professionnel, bien évidemment. Mais nous, actuellement, 12, 13 ans, ce sont des jeunes qui jouent en travers à 8. D'accord, ils ont 13 ans et on doit essayer de se projeter sur un garçon dans 7 ans qui va jouer en Ligue 1. Et à 11 et sur un grand terrain. Et à 11 sur un grand terrain. Ouais. Donc la difficulté, elle est là. C'est notre rôle, c'est de découvrir des potentiels. Ce n'est pas le joueur à l'instant T, comme tu disais Ludo, il marque des buts, il fait gagner son équipe.
Alors peut-être qu'il fait gagner son équipe aujourd'hui, mais comme tu le disais, peut-être que le joueur qui est un peu plus qui est un peu plus petit, un peu plus maigre, mais qui est réfléchi, et ce garçon-là, il va certainement rattraper l'autre. Peut-être, j'espère. Donc c'est la difficulté, nous, en tant qu'observateurs, c'est justement trouver le potentiel pour que ce joueur devienne professionnel. Parce que quand on recrute, quand on observe, on ne cherche pas un joueur pour améliorer l'équipe des U13 de l'Olympique Lyonnais ou des U15. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est recruter, observer pour que le joueur, on espère qu'il devienne professionnel. Voilà. Parce que dans notre région, on ne va pas recruter un jeune d'Avignon, de Cavaillon, de Saint-Rémy, bien évidemment, pour compléter l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Oui, sinon, l'Olympique Lyonnais prend un joueur à Lyon. Déjà, à Lyon, Lyon, c'est à la troisième ville de France. Il y a assez de monde. Il y a Saint-Priest, c'est Lyon. Voilà. L'objectif, c'est que ce joueur-là apporte un plus et devienne professionnel. Et là, la difficulté, c'est de trouver le potentiel. Déceler le potentiel. En plus de trouver le potentiel, puis en plus, pour avoir rentré longtemps à l'U13, tu prends ton temps, tu es à l'écart de pas mal de choses. Contrairement à beaucoup de clubs où dès 11 ans, 10 ans, et des recruteurs qui viennent, qui t'harcèlent toutes les semaines, c'est vrai que tu as ce côté où je pense que tu attends le moment de voir surtout ce passage à 11 qui est important aussi. Bien sûr. Et c'est de déceler parce que et après tu as la difficulté, je pense, de toute cette concurrence qu'il y a autour parce que en plus des clubs français, il y a aussi les clubs étrangers qui s'y mettent. Bien sûr. Et c'est pas facile quoi. C'est qu'il y a une grosse concurrence. J'essaie en tout cas de réagir en bon père de famille, comme on dit. C'est-à-dire que les conseils, entre guillemets, ou quand je m'adresse à une famille, parce que notre politique, quand on observe un garçon sur 3, 4, 5 fois, on ne s'adresse jamais à la famille. L'Olympique Lyonnais envoie toujours un courrier au club. D'accord. Moi, je prends contact d'abord avec l'éducateur, parce que l'éducateur voit le joueur 3-4 fois par semaine, donc il a son avis. Et je trouve que nous, en tant qu'observateurs, c'est très important d'avoir l'avis de l'éducateur qui voit le joueur s'entraîner tous les jours. Est-ce qu'il aime s'entraîner? Est-ce que c'est un bon jeune? Est-ce qu'à l'école, ça se passe bien, etc. Donc, c'est toujours comme ça. Et une fois qu'on a fait le contact, qu'on a pris le contact avec le club et avec l'éducateur, à ce moment-là, on s'adresse à la famille. Voilà. Et après, on propose de venir faire un essai sur une journée, sur un stage ou sur un tournoi. Voilà. Donc, la relation aussi, elle est très importante. Et je pense qu'en ayant un bon discours, les parents s'en rendent compte. Et les dernières signatures qu'on a pu faire, c'est souvent le relationnel avec la famille. Quand la famille a confiance à l'observateur, en général, ça se passe bien. Oh, oui, c'est important. Ludo, par rapport à toi, aux sélections de jeunes, comment ça se passe au point de vue du district? C'est toi qui vas voir les jeunes? C'est toi qui as fait appel au club, savoir s'ils avaient des jeunes potentiellement à voir ou... Alors, à la base, sur l'opération U13, sport du foot, c'est les clubs qui doivent signaler leur meilleur profil. En courant septembre, nous, à partir d'octobre, novembre, on convoque ces garçons et puis forcément, on les crème par rapport à tout ce qu'on voit. Et pour garder les meilleurs profils qu'on présente au Pôle Espoir. Par rapport à quand je suis arrivé dans le district Grand Vaucluse, la première année, c'était 270 garçons signalés en U13 pour le district du Grand Vaucluse. Donc moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Que quand tu as 3, 4, 5 dates, d'ailleurs, Gilles, les observateurs sont là, c'est très compliqué. D'autant plus que moi, je rejoins Ludo. Je ne suis pas du genre, on voit une fois, il a été convaincant ou pas, on enlève. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte pour ces garçons. Le stress, l'équipe dans laquelle ils jouent ce jour-là. Donc on peut pas. C'est la première année où il faut une détection. C'est pas facile. Voilà, être catégorique une seule fois, moi, ce n'est pas ma façon de faire. Et d'ailleurs, l'équipe technique est avec moi, c'est les messages que je leur ai fait passer. Donc, on a mis en amont, depuis l'an dernier, on a créé des CPSU 12. C'est-à-dire que sur des observations qu'on fait sur les U11, ou le relationnel, le réseau qu'on a avec nos éducateurs, on arrive à identifier une centaine de gamins en U12. Qui sont censés être des meilleurs profils à l'instant T. Donc depuis 2 ans, on fait ça. Ils sont invités sur 10 séances, octobre, novembre, décembre, sur différents secteurs. Et j'ai des mecs de la commission technique qui gèrent ces centres. Et les garçons suivent de différents clubs, une dizaine de séances sur la première période, où on n'est pas sur la performance de résultats, de match. On est là sur des séances, sur des thématiques, sur des principes de jeu, sur connaître le joueur, connaître les parents. Et ensuite, on les revoit mars, avril, mai. Même chose, deuxième session d'entraînement. Et à l'issue de cette saison, l'an dernier, on a identifié une cinquantaine de garçons
U12, qui nous paraissaient être un peu plus avancés que certains. Et quand on les a récupérés en U13, on les a dispensés un petit peu des premiers tours de détection U13 pour se concentrer sur d'autres profils qu'on ne connaissait pas, parce qu'il y a forcément des garçons qui n'avaient pas été signalés. Et on a fait la détection sur les U13 comme ça. Donc à l'issue de cette première, je dirais, ce premier brassage, il y a une partie qui est présentée au Pôle Espoir d'Aix-en-Provence. Donc pour notre groupe, ça sera jeudi prochain au Pôle. Et on sait très bien que sur chaque promotion, entre 1 et 4 garçons du Grand Vaucluse rentrent chaque année au Pôle Espoir. Donc ça veut dire que sur les 250, je suis clair avec les parents, il y en a un éventuellement qui va rentrer au Pôle. Donc quand on leur a dit ça, je fais la relation avec mon parcours que les études, devenir un bon garçon, ça doit rester la priorité. Et ensuite, on a élargi ce groupe à une 65 garçons à l'issue du U13. Qu'on reconvoque en U14 et qu'on suit. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire cette année. On les suit toute l'année du U14 pour en garder un groupe un peu plus fin, pour préparer la sélection U15 dans 2 ans. Donc, les groupes ne sont jamais fermés. Ça vient, ça rentre. Il y a des garçons qui émergent, qui poussent, d'autres qui sortent. On affine comme ça jusqu'à proposer en U15 les garçons qui ne sont pas rentrés au pôle, qui ne sont pas dans les clubs pro. On fait nos sélections de district. Il y a des rencontres interdistrictes où on sort les meilleurs joueurs régionaux. Entre-temps, y en a qui ont goûté à la sélection des 14 ligues. On exclut les joueurs du pôle depuis 2 ans. Les joueurs du pôle sont connus, ils sont très sollicités. Donc ça donne une chance à d'autres garçons qui ne sont pas dans les mailles du pôle. Et avec cette génération des U15, donc 2 ans plus tard, on fait les sélections régionales U15 pour des interligues, pour que ces garçons soient vus sur des rassemblements interrégionaux. C'est le début des rassemblements nationaux. Mmh. C'est un petit peu le plan de détection de la Fédé. Donc ça veut dire qu'un garçon, pour nous, son observation commence en U12 et on l'accompagne jusqu'à 15-16 ans au niveau du district. C'est ça qu'on dit aux garçons, et chaque année on a des exemples de garçons qui ont été dans les 20 pour le pôle, qui ne sont pas rentrés au pôle. En 14 ans, continuent à être suivis, et puis en 15, hop, ils sont en sélection du district, puis en sélection de ligue. Voilà, cette année on a Lucas Gernesquin qui a signé à Nîmes, Wassim Achour qui est là en 16 ans à Avignon, qui va incessamment sous peu quelque part, parce que les clubs pro, ça y est, ça bouge. Donc il y en a un qui bouge, beaucoup bouge, et c'est un garçon qui va certainement arriver dans un club pro aujourd'hui à 16 ans. Il a commencé son parcours avec nous il y a 4 ans, mais il n'est pas rentré au pôle. Donc il y a des garçons du pôle qui vont certainement signer, faire une carrière, des garçons du pôle qui vont revenir dans leur club amateur, et d'autres qui vont arriver plus tardivement. Voilà comment ça se passe un petit peu chez nous, avec un œil particulier sur tous les profils. Il n'y a pas de profil particulier, il y a des critères, effectivement. Il y en a qui ne font pas le pôle et qui vont y arriver. On en a discuté à la dernière émission avec... Ils vont peut-être utiliser d'autres chemins, d'autres moyens, parce qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps. Je crois qu'on parlait avec Laurent Lozon, on parlait de Maxime Lopez, ce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est un garçon qui n'a pas fait les sélections U15 régionales, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, il a 150 matchs de Ligue 1 avec l'OM et il n'a pas fait la sélection régionale U15. C'est ça que le pôle, on en a parlé dernière mission, on peut aussi se dire que peut-être il y a des enfants qui ne sont pas prêts d'aller, de partir loin de la famille. Ça peut être aussi un choix. Aujourd'hui. Le côté familial sent bien, ça peut être. Non, mais je suis d'accord, même si aujourd'hui c'est vrai que c'est. Ça dépend des cas. Comme je pense qu'il y a des enfants qui ont ce besoin. Point de vue, on va dire, habitudes alimentaires, sommeil, combien ce cadre-là d'être cadré, d'être dans le pôle. Alors, au Pôle Espoir, on est candidat, ouais. C'est une candidature volontaire, c'est pas une obligation d'aller au pôle. Donc, ouais. Le garçon qui serait le top player qui ne veut pas aller au pôle, ouais. C'est pas une obligation d'y aller. Mais aujourd'hui, on sent quand même dans le discours, dans l'attrait des parents, que s'ils peuvent rentrer, les parents le mettront. Quoi. Mm. Ça, c'est une certitude. Voilà. Après, ça, c'est la conséquence du pôle que tu peux analyser. Oui. Ou l'impact de partir de chez soi et le dérèglement un peu. Oui, mais bon, ils sont bien accompagnés. Le pôle, c'est une bonne préparation. Au début, tu es toujours motivé. Oui, c'est une bonne préparation. C'est-à-dire qu'on s'adapte pendant 2 ans, on n'est plus à la maison, mais on n'est quand même pas très loin de la famille. On est bien accompagnés, les garçons sont bien accompagnés. L'impact, il n'est pas souvent, je l'ai vécu, sur le gamin. Parce que le gamin, il a candidaté, le mien, il a candidaté, il a voulu faire ça dès le début. Au début, ma femme s'inquiétait, parce que la plus inquiète, c'était mon épouse. Mais aujourd'hui, le gamin, le mien par exemple, il est allé au bout de sa démarche et il est allé au pôle. Il a été pris, il était à Saint-Rémy à l'époque. Mais la plus perturbée, c'était mon épouse au départ. Parce que voir son fils partir à 13 ans, 14 ans, quitter la maison, partir le dimanche soir, rentrer le vendredi soir,
je peux vous dire que ça fait drôle et ça fait un grand vide au départ. Bon, en plus, moi, j'étais pas souvent là avec le boulot. Mais le gamin, là, maintenant, il a fait ses 3 années à Toulouse. C'est difficile parce que quand de 13 à 18, tu es parti de chez toi, tu as eu l'impression, le gamin comme la famille, d'avoir perdu et d'avoir oublié quelque chose. Mais d'un autre côté, voilà, c'était une expérience de vie qu'il voulait tenter. Et ça, quand les gamins ils veulent le faire et quand ils candidatent, parce que c'est les gamins eux-mêmes, c'est les gamins eux-mêmes qui doivent avoir envie, qui doivent avoir le potentiel pour le faire. C'est pas au travers des parents qu'on va essayer de faire ça, parce que c'est d'abord une envie du gamin lui-même, parce qu'il en a le potentiel et parce qu'il en a la volonté. Le message de Ludo est, pour moi, est fondamental. C'est l'envie du gamin. C'est pas le parent. Les parents aujourd'hui, certains veulent vivre là, par procuration certaines choses. Exactement. Et moi, j'ai pas peur de le dire là encore. Pour d'aller rassemblement, souvent, je dis que quand j'ai réuni les parents, je leur dis que c'est eux les plus dangereux. Donc beaucoup acquiescent. Je les surprends un petit peu, mais parfois ils sont dangereux. Et l'enfant, ça reste un enfant. Et c'est aux parents d'accompagner de la meilleure des façons possible le gamin dans leur entreprise et qu'on soit prêt à faire aussi nous des sacrifices, parce que c'est des sacrifices pour les parents de voir partir son fils à 13 ans, 14 ans. Et là, on est là pas pour avoir des états d'âme, on est là pour l'accompagner, le mettre dans les meilleures conditions possibles. De toute façon, par rapport aux invités. Et c'est la même chose quand un gamin part en centre 2 ans plus tard, à 15 ans, parce que là on parle de 13 ans, c'est 13, 14, 14, 15, mais quand le gamin a 15, 16, il part en centre. Moi j'étais au centre de formation à Lens, j'ai vu des gamins arriver parce qu'à l'époque le recrutement des centres de formation, moi j'ai eu des mecs de Perpignan, Lens, Perpignan, on avait pris un mec de Perpignan. Et le gamin, tous les week-ends c'était le drame, si en plus il jouait pas. C'était des pleurs, j'ai vu des gamins sortir du centre de formation complètement brisés. Bon, maintenant, il y a une certaine proximité par rapport à la région, on ne va pas déraciner à 15-16 ans un gamin de trop loin. C'est important parce que l'équilibre familial, c'est pour ça que le système du pôle, il est bien, parce que même si c'est difficile sur une semaine, l'équilibre, il est préservé, il peut jouer dans son club le week-end, il retrouve sa cellule familiale le week-end. Mais il faut que l'enfant soit prêt, comme tu me le dis. Voilà, mais il faut que l'enfant soit prêt et que aussi les parents soient prêts. Pour avoir eu ton fils à cette période-là, au Pôle Espoir, ton fils était prêt à y aller. Ah, et le vendredi, il était quelque part. C'était sa volonté. De toute façon, la semaine, je sais comment on joue d'habitude, il n'y a pas de changement. C'est un garçon intelligent, il s'adapte rapidement. Puis c'est parce qu'il n'avait pas le droit, mais sinon, vendredi soir, il serait reparti. Il m'a radé à la séance, il m'a entraîné. Comme toi. Parce que c'est des gamins qui aiment le foot d'abord. C'est au-dessus de tout. Le gamin, il aime le foot. Et il aime s'entraîner. C'est une volonté et de l'enfance, c'est important. Voilà. Et pas une volonté. Pas une volonté des parents. Ouais. Il faut bien. Enfin, j'espère qu'il y a des jeunes gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Mais il n'y a pas de parcours type pour réussir. Voilà. Donc, il y a de la chance pour tout le monde. On l'a vu la dernière fois. On peut signer très tôt. Jordan et on peut signer très tôt dans un club et on peut arriver plus tard. On peut faire le pôle, on ne peut pas faire le pôle. Voilà, donc les jeunes garçons qui nous regardent. Je cite toujours cet exemple parce que c'est un très bon joueur pour moi, c'est un joueur très intelligent et c'est un super mec. Lucas Touzard, qui est à Lyon. Lucas Touzard, il fait le pôle à Castelmoro, il sort du pôle, il a 0 club pro. 0. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il repart de sa région natale, il repart à Rodez. Et il fait donc, il a 16 ans et il fait sa première année à Rodez, ils ont des 17 ans nationaux et il joue titulaire en 17 ans national dès le début alors qu'il a que 16 ans. Et puis là, il y a les recruteurs de. Un jour, il y a un recruteur de Valenciennes qui va voir, et puis voilà. Et il découvre ce garçon. Moi, Lucas est arrivé chez moi, il avait 18 ans et demi, c'est-à-dire quasiment à la fin d'année 18, début d'année 19, quoi. Il n'avait aucune sélection, il n'avait jamais fait une sélection en équipe de France. Et puis, il a joué en 17 ans national. 6 mois après, il joue en 19. 1 an après, il joue en réserve, et puis il commence à s'entraîner à 18 ans et demi, 19 ans, il commence à s'entraîner avec le groupe pro. Moi, c'est le. Parce que là aussi, c'est le réseau. Alors, les recruteurs ont tout un maillage sur le territoire. Nous, on a notre réseau. Et qui sait les meilleures infos, les meilleurs qui puissent nous donner les infos? C'est les entraîneurs. Et moi, il y a le coach de l'époque qui m'appelle. Il me dit, écoute, Ludo, j'ai un garçon. Il va monter avec le groupe pro. Il a 18 ans et demi. C'est le capitaine en réserve. Est-ce que tu peux venir le voir? Est-ce que tu peux le prendre sur un stage? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi mon réseau. J'ai envoyé un mec dans le Nord. Il est allé le voir jouer 2 fois. Une fois à l'extérieur avec la réserve. Il m'a dit, ouais, c'est vraiment intéressant, c'est un joueur qui est intelligent dans son positionnement et tout. Atypique, bah, le joueur, parce que quand on voit, il est un peu pâteau, il est un peu lourdeau. Et puis, très très bon joueur. Non, mais pas de, et un an après, c'est le capitaine de l'équipe de France qui est championne d'Europe. Et puis, il part à Lyon et puis il fait la carrière qu'il est en train de faire.
Donc ça, c'est bien pour les jeunes de dire bah, il n'y a pas de, non, vraiment de cursus si, parfait. Si moi, je peux rebondir sur la section qu'on propose, études et sports, elle permet aussi à ça. C'est rare d'avoir des sections lycée l'après 15 ans, 16 ans. C'est soit j'ai réussi à rentrer en club pro, soit des fois, les jeunes ont du mal à rebondir. Et nous, on propose cette section et on reçoit beaucoup de jeunes qui ont été barrés parce qu'il n'y a que deux postes. Et souvent, bah, tu arrives en sélection, tu es le troisième. Des jeunes gardiens qui viennent faire les trois années de lycée avec la motivation numéro une, mais le sport, mais ça accompagne sur le parcours scolaire. Et la réussite de cette section études et sports, ça a été ça. Ça a été d'attirer tous ces jeunes qui n'ont pas réussi et qui gardent le goût grâce à ça. Mais tout ce qui se passe dans les sections sportives, que ce soit au collège ou au lycée, c'est vraiment important parce que c'est pas parce que à un moment t'es pas dans. Parce qu'on a toujours tendance à mettre les gens dans des cases. Ah, oh, il a 14 ans, il est au pôle, c'est bien, il va réussir. Lui, il est en centre de formation, c'est bon, il va réussir. Ah non, ça se passe pas du tout comme ça. Aujourd'hui, c'est pas parce que t'es pas été au pôle ou que t'es pas en centre de formation momentanément. Il y a des très bonnes sections sportives collège et des très bonnes sections sportives lycée, dont des garçons sont issus dans le milieu professionnel parce qu'ils ont eu une maturation un petit peu plus tardive, parce qu'il s'est passé une rencontre à un moment avec un coach, avec le joueur, qui font que. Et puis, tu as des garçons qui ont fait un cursus lycée normal, qui ont fait la section sportive, parce qu'il y a un super championnat de France des lycées, des sections sportives Charles-Jean-Leroy. Chaque année, c'est les finales, c'est à Clairefontaine, et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui regarde, notamment des fois pour nourrir plutôt la post-formation sur un gamin qui est en première ou en terminale. Et puis, il y a des garçons qui se font appeler par des clubs pro encore Ligue 2, et puis après qui rebondissent en Ligue 1. Et il n'y a pas de parcours, pas parce que tu arrives dans la case, dans le club pro de Ligue 1, que tu vas finir en Ligue 1. Parce qu'à un moment, tu vas repasser peut-être par la case Ligue 2 ou nationale pour rebondir après. Ou après, ben, des fois, il y en a qui restent qu'en Ligue 2 ou en nationale, parce que c'est comme ça. Mais il n'y a pas de, comme l'a dit Gilles, il n'y a pas de parcours qui est bien formaté. Chaque joueur a son parcours, parce qu'à un moment, ben, c'est le travail, c'est la philosophie, c'est les rencontres qui font. Et c'est la passion aussi, parce que le plus important, c'est de garder cette passion-là du foot et pour y croire jusqu'au bout. Il faut rêver jusqu'à tard. Hein, c'est pour ça l'émission dernière était vraiment super, parce qu'on a eu Romain qui a percé super tard, on a eu Anto qui est à Lyon, qui a vu changer de centre. Ouais. C'est pas facile de changer de formation, de ne pas réussir dans un centre, rebondir, puis finir pro et même finir capitaine maintenant de Nîmes, c'est beau. Et tu as eu Jordan qui a eu ce cursus, on va dire, plus facilement, plus linéaire, et finir pro dans. Donc c'est vrai que c'est. Mais en tout cas, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Ludo, tous les invités nous ont tous parlé de quoi ? De leurs parents, de leur entourage, qui a été hyper important, que ce soit pour Jordan, que ce soit pour Anthony, ils ont toujours été soutenus par Romain, son père qui l'a mené partout. Romain, que son père l'a mené partout pour faire les entraînements, les matchs en DH, et puis à la fin, ben voilà. Mais en tout cas, il parle à chaque fois des parents qui sont hyper importants. Donc c'est vrai que Ludo, quand il le dit. Aujourd'hui, Ludo, c'est certainement mieux que moi. Les statistiques qui ont été faites à la DTN montrent que les garçons qui étaient entourés, en proximité, proche de la cellule familiale, ont quand même beaucoup plus de chances de réussir que le garçon qui est mal encadré, mal entouré ou qu'on trimballe à l'autre bout de la France. On l'a eu, il y a une période où, très jeune, après le contrat aspirant, les joueurs partaient beaucoup sur l'étranger, notamment l'Angleterre, parce qu'ils n'avaient pas le modèle de formation qu'on a chez nous. Et on a vu des garçons de qualité, ils avaient certaines qualités, mais ils ont tout de suite vu la patte du gain, parce que quand on a une charte avec un certain nombre de chiffres, les Anglais, il fallait ajouter des fois, ils étaient capables d'ajouter une ou deux virgules en plus. Ouais. Donc c'était dramatique. Et puis on a vu des garçons partir à l'issue du contrat aspirant à 17 ans et demi. Et puis ils sont revenus trois ans après, sans doute un peu plus riches financièrement, mais complètement oubliés, complètement fracassés, et n'ayant rien appris du tout pendant trois ans. Et il y en a eu comme ça des plein, parce que les Anglais. Ce qui était nous peut-être du deuxième choix, pour eux c'était du premier choix parce qu'ils n'avaient pas la qualité de formation qu'ils ont maintenant. Et il y en a plein qui sont partis de tous les clubs de Ligue 1 et puis qui sont revenus et qui sont. Qui n'ont pas forcément réussi après. Ah non, qui n'ont même pas réussi du tout aussi. Ouais. Après ils sont repartis dans les destinations les plus exotiques, en Thaïlande, en Roumanie, en Bulgarie. On va passer au quiz, messieurs, après ce bon débat qui était intéressant. Très constructif. Très constructif, on a eu des commentaires intéressants. Bon, je capte pas trop aujourd'hui, Rachid, je compte sur toi. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un véritable cadeau, parce qu'on a eu une fois la photo de Yvan, mais bon, ça n'avait pas trop marché. Pour éviter, aujourd'hui, on aura à gagner une paire de gants. C'est beau, ça. Voilà, une belle paire de gants.
offert par Monsieur le Président du CFGB. Voilà, le premier cadeau, en quatre émissions, le premier cadeau qu'on a offert. Donc, on offre un cadeau donc, pour ce quiz, amis téléspectateurs. Donc, on va vous laisser répondre en même temps aux questions. On compte sur Mathieu qui suive pour compter les points. D'accord. Donc, 10 questions, messieurs. La team, on va dire, allez, la team gauche, la team droite, je ne sais pas comment dire. Allez. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas osé le faire. Il a dit. Ok, donc 10 questions. Et un peu des questions sur les gardiens de but, un peu des questions en tout cas sur le foot en général. Allez, première question, Rachid, je te laisse la poser. Il y a 10 questions ? 10 questions. Donc la première, on commence ici. Ok. Pour tout le monde ou... C'est pas le premier qui répond. Il n'y a pas le... Non, pas le buzzer. Le premier qui répond. Allez. T'as pris ton sifflet ou pas ? Non, j'ai pas pris mon sifflet. Allez, premier qui répond. Premier qui répond. Donc, qui était le troisième gardien lors du titre mondial de 98 ? Bernard Lama. Non. Charbonnier. Ouais. Charbonnier. Ouais. Un point. Un point là-bas. C'est bon, le score. Voilà, pas noté. Deuxième question. Attends. C'est pas mal. C'est un peu plus axé sur la formation. Quel est le meilleur centre de formation français pour la saison 2018-2019 ? Paris Saint-Germain. J'ai pas fini la question, monsieur. Non, malheureusement. Un point donc déjà. Par contre, si. Après 6 ans de. Attendez. Si il y a. Bonne réponse. Ah, 5 points, c'est 3 points. Oui, 3 points. Voilà. Si vous me donnez le classement complet, donc Paris Saint-Germain. Mais Gilles, il a pris par cœur, lui. C'est de la triche, ça. Le classement complet, ça fait 3 points. Alors, Paris, non, Rennes, Sochaux, Lyon. Ah, c'est bon. Allez, 3 points. Ah, il le sait parce que Lyon n'a pas été habitué à être 4 points. Donc, 3. 3. 1. D'accord. Alors, troisième question. Qui, à la surprise générale, garda les buts des Bleus durant le Mondial 1982 ? Ah, ça peut vous aider, ça. Etori. Ouais. Jean-Luc Etori. On était jeunes. Vous avez commencé fort, mais après, ça commence à faiblir. On aura les questions bonus à 3 points aussi. On a une bonne réponse, là, de Habibi Charbonnier. Pour la première. Ensuite, quel joueur est le plus jeune à avoir participé à un match en Ligue 1 ? Quel est le nom du joueur à avoir participé Mbappé. À un match en Ligue 1 ? Un point pour la bonne réponse. Cherki, et trois points si il y a l'âge. Oui, ça peut. Quel joueur Joueur de Lyon, Mavinga. On dit rien. Paganelli. Paganelli. Un point. Quel âge ? 15 ans et 9 mois. 15 ans et 10 mois. Oh, bravo. 15 ans et 10 mois. Égalisation. Ça fait 3 points. Bravo. 3 points, bravo. Je m'en filais plus long. Alors attention, il faut être. Ganelli. C'est sur un gardien de but. Ouais. Donc pour les gardiens de but. Alors, qui fut le premier grand gardien tricolore spécialiste des sorties aériennes et des sorties dans les pieds des attaquants ? Bruno Martini. Non. C'est bien plus vieux. Et pour info. Je fais un petit indice. En 99, il fut élu meilleur gardien du siècle par le journal L'Équipe. 99, c'était un cœur. C'est bien plus vieux que. C'est bien plus vieux que 99. C'est bien plus vieux que 99. Je vais plus. C'est bien plus vieux que 99. Je n'ai pas noté la date, malheureusement. Petite taille. C'est petit de taille. Un gardien français. Dominique Baratelli. Non. Qui a joué en équipe de France. C'est pas facile. Bon, je le connaissais pas, moi. Ouais. Ça, c'est un truc Wikipédia, lui. Non, j'ai fait des recherches, Rachid, oui, effectivement. Alors, il s'appelle Julien. Julien Béranger. petit, il a dit. Petit, ouais. Bon, on va donner la réponse, ça a été dur. Désolé. Ça, alors, il se prénomme Julien Daroui. Julien Daroui est l'un des plus spectaculaires gardiens de but français. Il compense sa petite taille par une détente exceptionnelle. Il faisait 1m69. Très brillant dans les sorties aériennes. Il travaille également ses dégagements en forêt et est capable de relance au pied.
ou à la main d'une précision étonnante. Alors, et du gardien du ciel. Alors sur Facebook, on peut, on a un commentaire de notre notre collègue du Monde des Temps Basket, Olivier, qui nous a dit que c'est Yvan Fonfredas, le présentateur de Monde des Temps Rugby, très connu pour sa petite taille. Donc on tourne. Julien, on fait quelques recherches. Merci Olivier. Donc apparemment, Ludo le connaît. Allez, donc par contre l'année, je suis désolé, j'ai pas noté l'année. J'ai pas les années 50-60. Voilà, c'est ça, à peu près. Allez, on continue, donc pas de points. Hein, non, cette question, égalité. Hein. Égalité. 4-4. Une question un peu facile sur le foot en général. Quel champion d'Europe portugais a signé au LOSC cet été? Renato Sanchez. Hop. Bien. Le chip, il est allé. Voilà, pris. Rien à voir avec les gardiens de but. Mais... Ouais. Ah, ça, normalement. Ah, normalement, là. Normalement, il y en a de chaque côté. Combien de licenciés en France? Source juillet 2019. Combien de licenciés football en France? Source juillet 2019. Le plus près, on va dire. Au plus près. Au plus près, un point. Allez, une réponse chacun au plus près. 2 200 000. 2 350 000. Alors, mettez-vous d'accord. Vous avez dit combien? 2 200 000 à peu près. 2 150 000. Bon, allez, 2 250 000. Oui. 2 250 000? 2 120 000. Ouais. 2 108. 2 108. Ouais. Allez, plus près. un point de plus, ça va. Donc, ça fait 6 à 4. On a parlé de l'effet Coupe du Monde après, ouais. Après ça, ce qui a augmenté considérablement le nombre de licenciés en France. Une question sur les gardiens. Qui est le seul gardien Ballon d'Or? Yachine. Ah, oh, il y a une réponse aussi dans le public là-bas. Alors par contre, qui a répondu en premier? Il y a le ralenti ou pas? Il faut l'avoir. Demande là-bas. Est-ce que c'est Ludo? Si ça c'est, ça c'est dit. Parce que c'est trop loin. En plus, je pense qu'il pense bien. Si ça c'est. T'es plus près de Ludo, c'est pour ça la distance. Ah, tu l'as dit en entier. Allez, trois dernières questions. 6-5. 6-5. Ouais. Combien de remontadas le FC Barcelone a-t-il fait en Ligue des Champions? Sur les 10 dernières années. Combien de remontandas? Une. Trois. Bravo. Trois remontandas de la part du FC Barcelone. Et là, dans Rome, où il y en avait une à Rome. Ouais. Dans une fantastique. Et la plus célèbre. Et la plus célèbre. Contre Paris. Contre Paris, le fameux 6-1. Ça là, les cadeaux. Alors, pour le boss. Pour info, j'ai pas fait le quiz. C'est lui qui a fait le quiz. J'ai rien fait. Ça fait égalité, hein, 6-6. Alors, 6-6. Il reste deux questions. Quel joueur a le plus de matchs en Ligue 1 depuis quel joueur a le plus de matchs en Ligue 1? Jean-Luc Ettori. Non. Putain, c'est un mec. En Ligue 1 française? Landreau. Oui, Ligue 1 française. Bravo. Landreau. Ouais. Landreau, c'est un gardien. Sans conviction, mais. Combien de matchs? 600. Plus que 100. 650, je crois. 618 matchs. 618 matchs pour Michael Landreau, détenteur d'un record. C'est égalité alors, pas trop loin quand même. Alors, bon, je croise les doigts pour pas qu'il y ait une égalisation, j'ai pas d'autres questions. Tu veux mettre égalité? On joue tout là-dessus. Il a le nombre là-dessus. C'est question à deux points. Voilà, c'est sur deux points. C'est une question foot et à la fois... Moins de time. Voilà, un peu actuel. Je savais pas... Quoi, je le connais. Mais là, toi, mais Coupe du monde 2018. Il y a une musique qui est sortie, qui a été, on va dire, l'hymne entre guillemets de la Coupe du monde, donc qui était Ramener la coupe à la maison. Quel est le chanteur de Ramener la coupe à la maison? Ah, c'est le groupe. Bonjour. Attends, je peux appeler ma fille. Sacha, envoie le message, Sacha. Donne-moi la réponse, Sacha. Appelle un ami là. Comment il s'appelle déjà? C'est le groupe là. Rien nul. On a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné. En 98, tout le monde s'en souvenait de Gloria Gaynor, mais là, ben personne s'en souvient de 98. VG Dream. Ouais. Le public, vous avez plus dans le public. Question au public. Pas beau. La vie du public. Vous ne méritez pas le point. C'est pas football, ça. On est terrestre, c'est showbiz.
Voilà. Il y a Tristan Domergue qui l'a dit en premier. Il a dit. C'est la famille. Il a trouvé. Alors, bon, c'est comment le groupe je sais pas. BG Dream. Ah, je ne les connais pas du tout. Voilà. Fin du quiz. Donc, ouais. Gagnant, Rachid. Le gagnant du quoi? Ah ben du coup, il ne pas, il ne pas. Joueur, par excellence. Du coup. Et non, il est 7 à 7. 7 à 7. Comment ça, 7 à 7 qui gagne les gars? Non, fais une question pour gagner. Alors, les gars. Alors, franchement, je n'ai pas d'autres questions, je vous l'avoue. Alors, question si suivante. Rachid, est-ce que tu as une question? On va manger où ce soir? Vous devez non. J'ai pas d'autres questions, malheureusement. Donc, on va clôturer cette émission, du coup, Rachid. Ouais. Ouais. Parce que déjà, le boss, il commence à. Il n'a pas de cheveux blancs, contrairement à moi, mais en tout cas, il commence à stresser un peu là, sur les émissions. Donc, avant de clôturer l'émission, on va bien sûr, comme d'habitude, remercier vous, les invités, de votre présence ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie vous êtes régalés. Merci à vous. Donc, voilà. Et ensuite, on va bien sûr remercier nos partenaires, Fox pour le matériel, la société Soli Events pour le décor, les restaurants partenaires, le restaurant La Grappe qui nous accueille ce soir, Jimi Hendrix, le bistrot de Mathieu, le Mas Gourmand, le Bouche à Oreille, le Domaine des Blaquières et Axo pour les locaux. C'était Axo qui nous accueille ici même. Et sans oublier, bien sûr, Big Tom DV avec à la réalisation. Mathieu, tout seul ce soir, ouais, parce que on va juste dire un mot que Coco, comme d'habitude, tu n'es pas là. Coco est à Lille. Donc ça va. Et beaucoup de Marseillais. Donc nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines émissions. Donc le 2 mars avec le rugby présenté par Karim El Mafiosa et Yvan Le Loup Solitaire. Ouais. Et le 9 mars avec le basket. Présenté par Olivier, hashtag 18 points entre l'OL et... C'est un grand supporter de l'OL, donc 18 points d'écart, on va l'appeler. Hashtag 18 points. Et Loïc, donc on les remercie. Et pour nous, ça sera la prochaine, ça sera le 16 mars. Nous vous donnerons donc rendez-vous le 16 mars pour une prochaine émission du Money Time Football. Donc oui, pareil, monsieur Joris Chotard qui regarde, donc tu es bienvenu de nouveau dans l'émission, bien entendu. Donc on nous donne rendez-vous le 16 mars pour une prochaine émission du Monday Night Football. Merci à tous de nous avoir suivis.